year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. Minute. Je suis pas prêt. Mollo, les amis, je ne suis pas prêt. J'arrive. 30 secondes et je suis à vous. 30 secondes. Comment ça va, l'équipe?
Vraiment, je suis à vous dans 10 secondes, pas une de plus. Salut Sikozo, comment ça va? Salut Nathan. Ça fait une minute, laisse-moi 30 secondes Nathan, 30 secondes. Fais ça pour moi, avec tout ce qu'on a vécu, s'il te plaît. Comment ça va l'équipe? Ça fait plaisir. Il est encore en caleçon? Non Gaël, je suis pas en caleçon, non, 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 non. Un petit peu de respect. Je suis pas en slibard non plus. Oh, oh, du respect là. C'est quoi ça? Vous êtes dissipé ce soir. Allez, c'est quand vous voulez. Hein. S'il y a un petit décompte qui part là, je suis chaud là. Un décompte à 5. Bon, respectez-moi, oh Joël, respecte-moi. Allez, les amis. Parfait, il y a Molos qui nous fait le décompte. 3, 2, 1. Comment ça va l'équipe? Salut tout le monde. Pardon pour le retard. 3 minutes de retard. Impardonnable. Impardonnable. Comment ça va tout le monde? Salut Jax. Salut Phil. Salut GM Paladin. Salut Mounir. Comment ça va? Salut Famoso. Salut Meilleur. Salut Quentin. Salut Micard. Salut Emric. Salut Mondiche, comment ça va? Vous m'excusez, je suis rentré un petit peu tard de l'entraînement. J'ai mangé à l'arrache. Mais quand je te dis à l'arrache, c'est vraiment à l'arrache. Salut Hugo. Salut Gilles. Comment ça va l'équipe? Tiens, j'ai pensé à toi Gilles l'autre jour. J'ai vu qu'il y avait les élections pour Benfica. Il me semble que tu es supporter de Benfica, je crois. Entre Rui Costa et je sais plus qui. Je sais plus comment il s'appelle l'autre. A priori, ce serait plutôt Rui Costa. Salut Kiki, comment ça va? Merci Molos, c'est gentil. Salut Kevin, salut Zerlox. Salut Thomas, salut Kingro, salut Strong62, salut Charlie. Ticknock, c'est là aussi, incroyable le maillot de Greenwood. Magnifique, Mason Greenwood. Bon, ça va l'équipe? C'est le week-end? Salut Jordi, le plaisir il est pour moi, cher ami. J'étais en train de regarder, je voulais vous mettre une story là sur Insta, tu sais, pour dire qu'on était ensemble et tout ce soir. Ça marche pas, je crois que ça a replanté Instagram, je crois, non? Je sais pas. Ça a pas l'air de marcher cette histoire. Hein. Bon, si tout le monde va bien. Salut Touska, comment ça va? Écoute, moi ça va très très bien, un petit peu à l'arrache ce soir, pour être honnête avec toi. Sortie de l'entraînement, le temps de manger un peu sur le pouce, et pour le coup c'est pas une image, c'est vraiment manger comme ça à l'arrache. Et puis voilà quoi, match demain, première journée de championnat, on commence un petit peu tard nous. Mais voilà, Insta bug tout le temps, c'est abusé Ubi, je sais pas si t'as vu. C'est abusé là, depuis une semaine, laisse tomber. Ça galère un peu. Bon écoute, si vous avez passé une bonne journée, quel match des Bleus? Mais j'ai regardé le début et j'ai pas pu voir la suite puisque j'ai dû tourner l'épisode de Liverpool, donc j'ai pas pu voir. Mais j'ai vu un résumé assez long d'une vingtaine de minutes. Donc je pense que j'ai vu l'essentiel. Nano, ça sort quand Liverpool? Ça sort demain, Mounir, demain à 10h. Et il y a une grosse nouvelle dedans. Une grosse, grosse nouvelle. Je vous demande rarement des choses. Alors, il n'y a rien à télécharger, il n'y a rien à acheter, rien du tout. Je vous demande rarement des choses. Demain, si vous pouvez mettre un petit commentaire avec merci, et vous allez comprendre le nouveau sponsor, entre guillemets, c'est du très, très lourd. Hein. Très, 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 très lourd. C'est quelque chose où, s'il ne m'avait pas filé un coup de pouce, j'aurais pas eu du tout les moyens de me payer ça tous les mois. On parle de l'ordre de 2500-3000 euros par mois hein, sur le gros, gros forfait. Donc, je vous l'annonce demain. Ça m'a carrément servi, même carrément servi dans l'épisode de Liverpool. Et en tout cas, j'espère que ce sera cool. J'essaierai de bien vous l'amener. Alors, ça va de 250 euros par mois jusqu'à vraiment 3000. Moi j'ai un forfait assez classique, hein. Mais même 250 balles par mois, il faut les sortir. Donc voilà, si vous pouvez mettre un petit message demain dans les commentaires pour essayer de booster ce partenariat, il n'y a rien à télécharger les amis, rien du tout. Non, c'est pas Subway, j'aimerais bien, Dish. J'aimerais bien que ce soit Subway, mais c'est pas eux. C'est encore mieux, t'imagines? Avec tout l'amour que j'ai pour Subway, c'est encore mieux. Sponsor Coca-Cola, non, Emeric, j'aimerais bien aussi, parce qu'ils font beaucoup de choses pour le foot, le Coca-Cola, mais c'est pas eux. C'est pas eux, c'est pas eux. Salut Joël.
Dédé m'a fait très rire à la mi-temps, il n'était pas étonné que ses pistons étaient les joueurs qui couraient, qui touchaient le moins de ballons de son équipe. Lunaire quand même. Lunaire ou triste, ouais, je sais pas, hurle le ciel. Ça fait plaisir de te voir, cher ami. Bon, les amis, si vous êtes prêts, alors je préfère le dire de suite. Il reste pas beaucoup de matchs. Il reste vraiment, vraiment pas beaucoup de matchs sur la fin de la Ligue 2, la fin de la saison 1 avec le Nano FC. Il y a de fortes chances, sauf erreur de ma part, il y a de fortes chances qu'on ne monte pas en Ligue 1 parce que je pense que ça va être vraiment difficile. Vraiment, vraiment. Je préfère vous prévenir ce soir, au cas où, qu'il n'y ait pas de déçus. Je pense que ça va être vraiment compliqué parce qu'on est quatrième du championnat. C'est quasi sûr qu'on sera barragiste, mais il faut se farcir du coup un premier tour de barrage contre certainement Nîmes ou Toulouse. Après, il faudra jouer certainement Dijon, qui est au-dessus de nous, pour après peut-être aller chercher soit Brest, soit, qu'est-ce qu'on avait vu, Troyes, je crois. Ça va être très compliqué, hein. Très très compliqué. Je finis ça et on y va. J'ai acheté deux nouveaux bouquins aussi pour ceux que ça intéresse. Je le fais vite fait parce que je sais que ça intéresse pas tout le monde. Celui-ci, nouveau et en tout cas grand public, je crois, c'est son premier livre. Gimmi Soum, professeur agrégé de PS, diplômé de l'école supérieure de l'INSEP, psychologie du football. Très très intéressant. En tout cas, ça a l'air. J'ai pas commencé à le lire parce que je l'ai reçu aujourd'hui. Ça, je pense que ça va me faire mal un petit peu à la tête. Agent sportif, deuxième édition. Écrite par l'avocate spécialiste du sport. Plein de choses, comment gérer son contrat avec son agent, comment le rompre, etc., etc. Et ça aussi, qui est un cadeau magnifique, une saison pour les U13, écrit par le directeur de la préformation du Paris Saint-Germain, et en collaboration avec le coach des U15, passé par les MLS, etc., etc. Donc gros ouvrage. Ah, si tu veux des livres, hurle le ciel, si tu veux des livres sur la profession d'agent, j'en ai plein, hein, j'en ai 5 ou 6. Celui-ci, c'est que du droit, hein, attention. C'est le alors, pour faire simple, c'est le code... j'allais dire le code du travail. Le code du travail de l'agent sportif, entre guillemets. Mais des deux côtés, en tant qu'agent et en tant que sportif. C'est, elle est connue, hein, c'est Maître Vassine qui l'a écrit. Maître Vassine qui avait fait la première édition il y a quelques années, que j'avais feuilleté mais que j'avais jamais acheté parce qu'elle datait de 2016, ça bouge tellement. Et là, elle vient de le ressortir, c'est la deuxième édition de 2021. Alors attention, je pense qu'il faut quelques notions de droit, hein, je préfère préciser. Et ça a l'air très intéressant. Donc écoute, je vous dirai ça quand j'y serai. Pas de soucis, sur le ciel, j'en ai plein. Si ça t'intéresse, j'en ai plein des livres sur le sujet. Sur le droit du sport en règle générale, le droit du foot, du footballeur, les contrats, tous les vices. En plus, parce que ça se met vite à jour, ce genre de truc-là. Enfin, c'est vite obsolète. T'as mangé quoi ce soir, Nano? J'ai mangé le reste de ce que j'avais l'autre jour, là. Du riz blanc basmati avec du poulet tikka masala. Est-ce qu'on est prêt, les amis? Si on est prêt, moi je switch. Hein. Salut Xavier, comment ça va? Salut Adam, comment ça va? Est-ce que tu as lu comment gagner un match de foot? Oui, plusieurs fois même. Et l'éloge du style de Thibaut Leplat? Oui, j'ai lu. J'ai tout, hein, je peux pas te montrer avec la caméra, mais j'en ai beaucoup, beaucoup des livres. Si vous êtes prêts, les amis, moi j'y vais. Zébardi. T'as envoyé le livre 10 millième abonné? Écoute, on s'est échangé quelques messages. Avec, j'ai oublié son prénom, j'ai fait une capture d'écran. Je lui ai dit, laisse-moi cette semaine pour être tranquille. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il est là, il est à côté, il y a tout, il y a son adresse écrite. Il me l'a envoyé par MP, il a été très réactif. Dès que je sors, parce que j'ai quelques colis à envoyer, et plutôt que faire 10 000 allers-retours, j'envoie tout d'un coup, je pense que je l'enverrai mardi après-midi ou mercredi. Je ne sais pas encore. J'ai oublié que j'avais le café aussi. Mais oui, bien sûr, je vais lui envoyer. Il avait gagné le 10 millième abonné. C'était le livre de Carlo Ancelotti. C'était le leader tranquille. L'homme qui murmurait à l'oreille des stars. Si tout le monde est installé. Salut Camille. Est-ce que tu fais un autre travail en plus du stream? Oui, évidemment. J'ai un travail, ce qu'on considère un vrai travail. Et le foot, plus YouTube, plus Twitch, etc., etc. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on y va en match contre le PFC? Ton entraîneur préféré en activité ou pas, Maël? Putain, c'est nul Instagram, ça, la vérité, quoi.
Échec d'importation, réessayer. Je vais mettre un petit peu de son. Alors ce soir on écoute la même chose. Habituellement je vous mets un truc dans les oreilles à vous, moi je me mets autre chose. À cause des DMCA, vous savez, les droits d'auteur, etc. Ce soir nous écoutons la même musique les amis, vous et moi. Je vais juste mettre un tout petit peu plus fort. Et pour moi et pour vous. Voilà, je veux pas que ça soit trop fort non plus, je sais pas là assez fort. Mais bon, un petit peu de musique, ça fait toujours du bien. Je sais pas si on fait jusqu'à minuit ce soir, je préfère vous prévenir. Demain matin, j'ai match très tôt, première journée de championnat. Il faut que je me repose. Il y a encore un bug sur Insta, mais tu vois William, c'est bien ce qui me semblait. J'aurais dû la foutre avant ma story, je suis gaze. Tu vas live ce week-end? Écoute, ce soir en live déjà, Nathan, je pense que c'est cool. Après, je crois qu'il y a la finale de la chaîne Cup, machin chouette là. Je crois que c'est dimanche. Moi j'ai commencé une carrière avec Bastia, bonne idée Sab, pourquoi pas. Je me couche tôt ce soir moi perso, bah je comprends Pierre. Pierre qui, je pense qu'au nom de tout le monde, Pierre, je sais pas si tu veux le dire, mais Pierre qui rentre au POFC. Félicitations mon ami, je te l'ai dit de vive voix, même si on s'écrit 10 fois par jour sur Twitter. Félicitations cher ami pour ton entrée au POFC. Demain il entraîne les petits du POFC, notre ami Pierre. C'est Nano, comment ça va? Ça va et toi Jus? Et si t'as besoin Pierre, tu fais signe. Hein. Vidéo demain à 10h, Liverpool. J'ai changé Don Simon. J'ai changé mec, j'ai changé pour que ce soit plus simple pour vous. J'ai abrégé, regarde. Allez c'est parti. Qu'on fasse attention, je crois que Laura, là, le numéro 7 du PFC, il est 3 ou 4e meilleur buteur du championnat de la Ligue 2 dans notre partie. Bon, je vous fais pas de dessin, hein. Il reste 4 matchs. Ce qu'il faudra à tout prix gagner, ceux-là, il faudra les gagner, mais ce qu'il faudra à tout prix gagner, c'est évidemment les matchs du barrage de Ligue 2 et de Ligue 1. Si la musique est trop forte, pas assez forte, vous me dites dans les... J'allais dire dans les commentaires, dans le chat, vous me dites et j'irai juste, hein. J'ai l'impression qu'on va prendre un fouet gros ce soir, je sais pas pourquoi. Ah ! Sa grande sœur. J'habite à côté du stade du PFC. Mortel Yanis. Ah oui, Yanis 93-600. Oui, je pense que t'es pas très loin, oui. Tu penses quoi, Newcastle? Je savais que cette question, elle allait tomber ce soir. Je le savais. Hier, il y a eu des débats entre Rui Costa et Benitez. Voilà, je crois que c'est ça. C'est Benitez, c'est ça le deuxième concurrent. Enfin, le deuxième concurrent. Le deuxième prétendant à la présidence de Benfica. Ça, c'est solide aussi, hein. Nous, j'allais te dire nous, petits Français. C'est un petit peu péjoratif, mais nous Français, on se soucie pas trop de ça. Mais Benfica, c'est the club un petit peu. Alors c'est pas le seul, mais c'est the club au Portugal. Allez De Vos. Et pour le coup, la présidence du Benfica, c'est quelque chose dans le monde du football, dans la sphère footballistique, c'est quelque chose. Si c'est Rui Costa, alors je sais pas pour qui tu es toi Gilles, mais si c'est Rui Costa, je trouve que c'est bien. Je crois qu'il a une longueur d'avance dans les sondages, en tout cas dans les intentions de vote, etc. Je maîtrise pas tout, hein, la présidence du Benfica, je maîtrise pas tout. Mais l'autre, apparemment, il revient un petit peu en force aussi. Hein. Et si jamais, pour ceux qui posaient la question, demain à 10h, épisode 3 de la carrière avec Liverpool, l'épisode fait... 40 minutes, je crois. 40, oui, je crois que c'est ça. 40 bonnes minutes. Avec l'achat d'un dernier joueur. L'achat d'un dernier joueur. Match contre Chelsea. Match contre l'Atlético Madrid. Match contre Crystal Palace. Et après, je sais plus. Un bon joueur ne fait pas forcément un bon dirigeant. On est plutôt d'accord. Après...
Ça peut aider parce que tu sors de. Ça peut vraiment aider parce qu'il y a quelques temps, peu de temps, on le voit avec Pavel Nedved, avec Maldini, etc. C'est des joueurs qui étaient, bon, en Europe ultra forts, dans leur club ultra forts, mais ils ont encore un petit peu cette essence de vestiaire. C'est pas que des hommes d'affaires. Les dirigeants, c'est très bien, mais ce que je leur reproche à certains, c'est d'être que dirigeants et pas dirigeants de football. Donc ça peut être aussi quelque chose de. Pas de délicat, mais c'est aussi à double tranchant, hein. On a énormément d'hommes d'affaires dans le football aujourd'hui, mais on gère. Même si c'est. J'aime me contredire tout seul. Attends. J'aime me contredire tout seul, parce que c'est vrai que les clubs de foot sont gérés vraiment comme des sociétés aujourd'hui, mais mine de rien, ça reste du sport et il faut quand même quelques codes footballistiques et sportifs. Hoffenheim, ça m'intéresse beaucoup cette carrière. Bah écoute. Yes, penalty pour revenir. Parfait. Hoffenheim, ça sortira lundi. Lundi, qu'est-ce qu'on a? On a le clôture du mercato, je crois, avec Hoffenheim. Et puis le début de la Bundesliga, j'imagine. Non, Newcastle, ça prendra du temps. Hein, ça prendra du temps. Je pense que ça ne sera pas de suite, de suite. Après, par contre, il y a. Il y a v'là l'oseille, hein, comme on dit dans les cours de récré. Il y a énormément d'argent. C'est simple. Raccourci direct. C'est le club le plus riche du monde. Voilà, comme ça au moins, il y a pas de problème de ce côté-là. Il y a énormément d'argent à Newcastle. Je ne sais pas comment ils vont se démerder. Et on parle déjà d'Antonio Conte qui est libre. Il faut, pour moi, je pense que Newcastle doit sauter dessus. Après, on verra. Historiquement, c'est un joli club, Newcastle. C'est un gros club. Mais va falloir recruter et puis derrière que ça soit cohérent sportivement aussi. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Hire le ciel. Entièrement d'accord. Salut Sid, comment ça va? Moi, c'est soirée le meilleur pâtissier. Pas de soucis, Madame Filou. Pas de soucis. On t'embrasse à distance. Après, il faut que ça serve derrière, hein, si je peux me permettre. Derrière, il faut nous régaler, il faut de la tarte au citron meringuée, il faut de la forêt noire, il faut nous régaler, quoi, parce que regarder la télé pour regarder la télé, nous on veut une invitation, quoi, on veut venir chez vous, monsieur et madame Filou, on veut du gâteau, quoi. Allez, petit! Yes! Golasso! Et t'es beau celui-là, hein? Salut Dragon Infernal, comment ça va? Moi c'est reportage sur Bernard Tapie. Tu nous diras Nathan comment c'était. La forêt noire on connaît en Alsace. Qu'est-ce que je connais? Paris-Brest. Forêt noire, une tropézienne. Tarte au citron meringuée. Tarte aux pommes. Une charlotte aux fraises. Salut Xassou, ça va? Salut Yuki, comment ça va? Oui, Madame Philou est arrivée, cher Jax. Elle est là. La famille est au complet. Salut Nano, est-ce que demain il y a Liverpool? Oui. Oui, Marius, demain il y a Liverpool à 10h. 10h, 10h, cher ami, 10h. Si on peut, j'y crois vraiment pas trop. Allez, cours. Prends l'axe, je t'ai vu. Non! Non! Qu'est-ce qu'ils font? Si on peut finir, l'idéal serait de finir troisième, ça nous évite un tour de barrage, mais à mon avis, je pense qu'on sera quatrième. Allez, à plus. Ah, putain. Mais Marconnet, il veut pas partir à la retraite, lui. Toute sa vie, il va jouer au foot, là. Jusqu'à 60 ans, il va être dans les cages du PFC. Tu penses quoi de Gavi? Écoute, j'étais un peu. Pas sceptique, mais je me suis dit, putain, déjà appelé en sélection espagnole, bien. Moi, Gavi, j'ai eu la chance de voir son premier match officiel, son premier match titulaire, qui était face à Rétafé, puisque j'étais au stade. J'ai eu la chance de voir son premier match. Je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé intéressant. Après, je ne me suis pas levé de ma chaise et je ne me suis pas tapé le cul par terre non plus. Je l'ai trouvé intéressant. Après, c'est un 2004, tu vois, il a 17 ans, bon. Je me suis dit, c'est pas un peu tôt, 4-5 matchs officiels en pro pour être appelé en équipe d'Espagne. Et il a été très, 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 très correct, hein, même plus que ça. Donc, écoute, un célèbre joueur français te dirait, moi, tu me parles pas d'âge. Donc,
Finalement, pourquoi pas. Et pour sa défense, parce que j'ai vu que Luis Enrique se faisait bien chier dessus, alors pour sa défense, j'en ai rien à foutre, moi. Il faut savoir qu'il y avait deux joueurs du Real Madrid qui étaient disponibles, qui n'étaient pas blessés. C'était Nacho Fernandez, et l'autre, c'était une saucisse aussi. Merde, celui qui dépanne des fois en latéral droit, là. Ouais, je suis gaze. Celui qui est de métier milieu côté droit, attaquant droit, et qui de temps en temps joue latéral droit pour remplacer Carbajal. Voilà, c'était les deux seuls qui étaient dispo. Vasquez, Lucas Vasquez, merci les mecs. Lucas Vasquez. Il y en avait deux qui étaient dispo, Nacho Fernandez et Lucas Vasquez. Bon, c'est pas les meilleurs, quoi. Isco blessé, ils étaient tous blessés. Donc écoute, Gavi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, il faut... Il faut continuer pour lui, il faut continuer à avoir du temps de jeu au Barça. Et pourquoi pas, hein, si. Merci beaucoup, je suis tour ton cinquième mois parmi nous. Merci beaucoup pour ton sub, cher ami. Merci beaucoup, 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 c'est adorable. Merci, mon ref. T'as commencé il y a combien de temps cette carrière? En termes de quoi? En termes de. Sur le jeu? C'est la première saison. Après, la carrière, on l'a commencé. C'était il y a quoi? C'était il y a. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 15 jours. Le jeu à l'opposé, c'est trop cheat. C'est comme les enroulés. C'est trop, trop cheat. Il y a zéro déchet. Vrai de vrai, il y a zéro déchet. Un enroulé ou une transversale. Luis est anti Real. Je sais pas si Luis Enrique est anti Real Madrid, mais c'est pour ça que je te dis que pour sa défense, il n'y avait pas non plus énormément de clients du côté du Real espagnol. Hein. Il y avait, voilà, Lucas Vasquez, Nacho Fernandez. Oh, c'est pas les plus sexy, hein, tu vois. Ah, sur le jeu. Sur le jeu, bah, c'est la première saison. Première saison, on arrive au bout, là. On arrive au bout. Il nous reste 4-5 matchs de Ligue 2. Et je pense qu'on sera barragiste. Hein, et je pense que ça va être très compliqué. C'est pour ça que j'ai préféré annoncer au début. Je pense, à mon avis, que la montée en Ligue 1, à moins d'un miracle extraordinaire, et je veux bien coacher à Lourdes, mais quand même, il y a les limites. Écoute, je pense que l'Espagne a fait plutôt un bon match contre l'Italie. Là où je pense que la majorité, vous voyez peut-être un Italie vainqueur. Et pour le coup, l'Espagne n'a pas du tout... Ah yes, encore un penalty. Il n'a pas du tout démérité. Et puis on aura une belle finale France-Espagne. C'est quoi? C'est dimanche soir, c'est ça? Tiens, Nono, salut les viewers. Salut Nathan, comment ça va? Le ref de Nîmes, comment il va? Pedri nominé dans les ballons d'or. J'ai vu qu'il y avait la liste là tout à l'heure. Est-ce qu'il y a Joshua Kimmich? Je crois pas qu'il y soit. J'ai vu, ouais. L'Espagne revient fort. C'est surtout que l'Espagne revient avec beaucoup de talents jeunes. Alors Gavi, moi je pense qu'il faut pas... Il faut attendre. Il faut attendre d'en parler. Pedri, ça commence à être intéressant. Après, Gavi, on va attendre encore un petit peu. Le match de Pavard hier, il a été affreux. On veut mieux qu'il les... Ouais, il y a des joueurs comme ça, je comprends pas pourquoi ils sont pas appelés, surtout quand t'as des carences comme ça à droite. Moi, je l'ai dit mille fois, comme ça au moins c'est clair, c'est annoncé, il n'y a pas de mauvaise surprise. Genre, Dubois, je déteste. Mais quand je vous dis je déteste, c'est genre je déteste tout. Je déteste le gars, je déteste le footeux, je déteste tout. Pavard... Des fois, c'est un peu... Intéressant, affreux. Intéressant, affreux. Affreux, intéressant. C'est très irrégulier. Hein. C'est vraiment en dents de scie. Mais par contre, c'est un gars qui, je pense, doit être assez... pas te dire facile à vivre, mais il doit pas trop casser les couilles. Alors que j'ai l'impression que Léo Dubois, il est vraiment, vraiment pas ouf. Et que lui, il se croit super bon, tu vois. Et alors, pas donner de son ni à l'un ni à l'autre, mais... Un Mukiele, je suis presque sûr que tu l'appelles. Tu dis, bon, écoute, j'ai qu'une place, c'est latéral droit. Il va la prendre, hein, je pense. Hein. Je sais pas, il faut voir. Même Kaloulou, Kaloulou de Milan, bon, peut-être un peu, je sais pas. Je sais pas s'il est meilleur que Dubois, c'est pas à moi de le dire, mais moi, Dubois, je trouve qu'il a réellement, je vais vous dire, réellement pas sa place en équipe de France. Et je vous dirais même que je suis même pas sûr qu'il ait le niveau pour jouer à Lyon. Hein. Donc, que je suis pas un pro de Lyon, je regarde pas tous les matchs de la première à la dernière minute de Lyon. Je vous donne un avis extérieur non maîtrisé. Je suis même pas sûr qu'il ait le niveau pour être latéral à Lyon, hein, mais bon. C'est très personnel ce que je vous dis. Mais oui, Klos, je veux dire. Et au bout d'un moment, c'est quoi qui te gêne? Qui joue à Lens? Parce que c'est un club un peu, voilà, qui est remonté il n'y a pas si longtemps que ça en Ligue 1, etc. Enfin, je veux dire, s'il faut être obligatoirement dans une grosse écurie,
pour être appelé en équipe de France, enfin, c'est un peu ridicule. Hein. Je préférerais 100 fois un mec comme Klos, où tu lui donnes sa chance. Au pire, tu le rappelles pas s'il est nul. C'est pas grave, s'il y arrive pas parce que c'est trop dur pour lui. Il y en a qui sont bons en club et qui sont mauvais en équipe nationale. Ça peut arriver, ça pourrait arriver à Klos, mais appelle-le au moins. Plutôt que nous farcir ton Dubois tout rincé là. Après, je préfère vous le dire, hein, je suis pas du tout un expert de l'Olympique Lyonnais. Hein, je pense que vous y connaissez 10 fois plus que moi sur ce club-là. Mais c'est vrai qu'on a une vraie carence. La finalité, c'est... Regarde l'enroulé. C'est abusé, c'est cheat à mort. C'est cheat à mort. Mais on a une vraie carence. Vraie carence sur le poste de latéral droit. Et pour le coup... Pavard, moi, en doublure, ça me gênerait pas. Mais en titulaire, teste-nous un truc, appelle-nous un gars, un nouveau truc, quoi. Moi, Dubois, j'en peux plus, je vous dis la vérité, j'en peux plus. Ouais, Ferland Mendy, il a le pied droit et le pied gauche. Il joue plutôt à gauche, mais il a le pied droit et le pied gauche. Mais... C'est quand même 10 fois plus fort, quoi. 10 fois plus fort. Quand on est sans blessé, sans absent, l'équipe de France, il y a du putain de matos, hein. Même en défense centrale, là, tu te rends compte tout ce que t'as en défense centrale. Combien on avait fait au match aller contre le PFC? On avait gagné 3-0, je crois, un truc comme ça, non? Merde, j'ai oublié les changements. Ah ouais, moi je suis là, on est pas du tout ensemble, à mon piston Moussa Diaby, on n'est pas du tout ensemble, pas du tout du tout. Mais peut-être que ça arrivera un jour, hein, j'en sais rien. Mais là, piston, il faut quand même avoir un minimum de QI défensif, de 4-0 on avait fait, Emric. Il faut quand même avoir un minimum de QI défensif, de repli défensif, de positionnement aussi. Il faut pas oublier que Diaby, il a toujours quelqu'un dans son dos. Quand il joue à Leverkusen et tout ça, il a toujours quelqu'un dans son dos. Donc globalement, ça va, tu vois. Alors que là, si tu le mets piston, il n'y a personne dans son dos. Enfin si, il y a les 3 centraux, mais moi, je le tenterai pas. Hein. Diaby, piston gauche, je suis pas fan du tout. Enfin, en tout cas, sur le papier, je suis pas fan. Hein. Dubois, il est éclaté. Oh, on est plutôt d'accord, Tuska. On est plutôt d'accord. Merci, Bastien, pour ton follow. Merci à Yanis. Merci à Viska aussi. Samuel, Punkev, Diana, Tristan aussi. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, Amine, sacré leçon, là. Est-ce que c'est pas le Phoenix qui renaît de ses cendres pour aller chercher la place en Ligue 1? Ce serait extraordinaire. Messi, Ballon d'Or, sans débat. Pour moi, il y a débat, cher ami. Au taxe, pour moi, il y a archi-débat. Archi-archi-débat. Je dis pas qu'il mérite pas, je dis juste que à mes yeux, il y a quelqu'un qui le mérite plus. Salut Yozo, comment ça va? Merci ST pour ton follow. On est plutôt d'accord, Nathan. Moi, c'est... Moi, je suis Team Lewandowski à 1 milliard de pourcents, hein, sur le Ballon d'Or. Hein, mais 1 milliard, milliard de milliards. Déjà, tu lui en dois un. T'es obligé. Tu lui en dois un. Le Ballon d'Or qui a été supprimé du Covid, c'est fin de l'année Covid, là, c'est une honte. Tu pouvais le donner. Tous les championnats ont été à terme, ils ont été décalés, etc. Mais l'année du Covid, là, quand ça a paru, cette merde, c'était Lewandowski, le Ballon d'Or. Tu lui en dois un. Que tu le veuilles ou non, tu dois un Ballon d'Or à Lewandowski. Donc moi, je lui donnerai maintenant. T'es obligé de lui donner. Enfin, je veux dire, non, Jorginho sera pas Ballon d'Or. Peut-être qu'il sera bien classé, mais il sera pas Ballon d'Or. Ouais, Lukaku sera peut-être bien placé, mais pour moi, il ne mérite pas. Pour moi, il y a plein de candidats crédibles. Jorginho en est un, Messi en est un. Il n'y a pas de problème, les amis, pas de problème. Kanté en est un aussi, candidat crédible. Et pour moi, le Ballon d'Or, si demain, tu me mets responsable de France Football, moi, le Ballon d'Or, je donne à Lewandowski. Hein. Supprimer le Ballon d'Or, c'est la meilleure des solutions. Ouais, après, c'est quelque chose qui fait parler, c'est quelque chose qui fait vendre du papier, c'est quelque chose qui fait de l'audimat. Donc ça sera jamais supprimé. Ah mais il n'y a pas de souci, Vianney. Mohamed Salah est aussi un candidat crédible. Et pas de problème. Mais je maintiens, moi je le donnerai à Lewandowski. Et si tu vas par là, si tu regardes sa saison et son ratio but-match, même Haaland il est crédible hein, sur ton Ballon d'Or, hein, si tu vas par là. Et Benzema aussi, il est archi crédible. Moi Benzema, j'espère juste qu'il est top 3 par contre. Hein, parce qu'il n'y a pas top 3, je te fais une montée à Paris là. Et je le prends par le col, le mec de France Foot, là. Je dis, qu'est-ce que tu fais, toi? Espèce de fou, là. Ah, Benzema, faut qu'il soit... Pour moi, il faut qu'il soit bien placé dans le Ballon d'Or, même très bien placé. Il est candidat crédible à la tête du Ballon d'Or, mais moi, j'en démordrai pas. On doit un Ballon d'Or à Lewandowski, il faut lui donner cette année.
Ballon d'or la VAR. Ouais, le ballon d'or, je suis un petit peu d'accord avec toi, Beninov. Je pense qu'il a perdu un peu de sa superbe. Mais je sais pas, en fait, pour moi, il y a eu une cassure. Moi, perso, hein, c'est très perso ce que je veux dire. Pour moi, il y a eu une cassure quand on a donné le ballon d'or à Modric. C'est un super joueur. Il avait fait une très bonne saison. Finaliste de la Coupe du Monde. Il avait été très bon aussi avec Madrid et tout ça. Mais à ce moment-là, je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, merde, ok, je le mettais top 3, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, ça m'a fait un truc. La vérité, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, ouais, bon, ouais. Je sais pas, alors est-ce que c'est moi qui suis pas du tout habité par Modric? Pourtant, c'est un super joueur hein, par Madrid. Ou est-ce que je me suis dit, merde, tu le donnes pas à un mec qui est champion du monde? C'est-à-dire la distinction la plus forte, forte, forte dans le football. C'est plus fort que tout. Tu le donnes pas à un champion du monde. Alors est-ce que c'est le côté un peu chauvin français aussi? C'est possible. Mais je sais pas. Moi, il y a un truc qui m'a. Il était méritant, hein, y a pas de souci. Mais par contre, Ballon d'Or, tu le donnes à celui qui a gagné la Coupe du Monde, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Salut, Captain, comment ça va? Ben, c'est ça qui n'est pas crédible, Amo. C'est qu'en 2006, tu le donnes à Cannavaro, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, etc. etc. Et là, en 2018, ben, tu pouvais le donner à Varane, qui avait fait mieux sur le papier que Cannavaro. Tu peux le donner à Griezmann, qui avait gagné l'Europa League et la Coupe du Monde. Écoute, je vais te dire la vérité, si tu l'avais donné à Mbappé, je pense que peut-être même que ça m'aurait pas choqué, tu vois. Mais pas à Modric, moi je voulais. Et comme je vous dis, je suis français, donc voilà. Peut-être qu'il y en a qui sont pas français, qui sont pas d'accord avec moi dans le chat, mais tu donnes pas le ballon d'or à un mec qui est pas. Tu donnes le ballon d'or à un mec qui est pas champion du monde. C'est un peu. Nano, check ta boîte mail quand tu peux voir. Alors j'ai eu le malheur de donner mon adresse email, je reçois 10 mails par jour. Quelle connerie ça, mais quelle connerie d'avoir fait ça. Alors après, j'ai essayé de répondre à tout le monde, mais. Je sais pas ce que tu m'as écrit, j'aime pas la dame, mais le mail, Nano, aide-moi pour ma carrière manager, c'est impossible que je te réponde, impossible. Je reçois ce message, sans mentir, peut-être 30 à 40 fois par jour, entre Twitter, Insta, et maintenant mon adresse email. Quelle connerie d'avoir donné mon adresse email. Je suis un sgeg d'avoir fait ça. En 2016, Griezmann méritait large. Ouais, après, il y en a plein comme ça. Moi, tu vois, j'ai toujours en travers de la gorge Schneider, alors que Schneider, tu vois, j'en avais rien à foutre. Il jouait, en 2010, il jouait à l'Inter. Mais il était méritant, le ballon d'or aussi qu'on devait à Ribéry, à Griezmann aussi, peut-être qu'il en méritait un. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je suis aveuglé, je te dis, par le fait que je sois français et tout ça. Mais vu qu'en 2006, t'as été dans ce raisonnement-là, alors forcément, c'était il y a quelques années. 2006, t'as été dans ce raisonnement-là, et là, en 2018, tu le donnes au finaliste. Enfin, du moins à Modric. Puis même Modric, c'était pas. C'est un super joueur, et j'enlève rien du tout aux qualités de Luka Modric. C'est un super, super joueur. Mais va chier, quoi. Fallait le donner à un Français. Garde l'enroulé. Ouais, Iniesta, il aurait peut-être mérité un ballon d'or aussi, Kiki The Beast. Mais on peut en citer plein comme ça. Je suis d'accord avec toi. Iniesta qui n'a pas de ballon d'or. Ça fait chier, quoi. Ça fait chier. 2010, il finit combien? Il finit deuxième, je crois, Iniesta, non? Nano, check ton Insta avant 1h30 du matin. Au cas où je suis bourré ce soir. Alors, mon Insta, je le checkerai avant d'aller au lit, je pense. Ouais, c'est ça, il finit deuxième. Merci, Amric. Il finit deuxième en 2010, Iniesta. Même Iniesta, tu vois, pour la magnifique beauté de sa carrière. T'en donnes un à Modric, t'en donnes pas un à Iniesta. On est d'accord. Et pourtant, c'est un truc de ouf, ce que je vous dis, mais c'est. Je sais pas, il y a des trucs qui sont pas logiques. Alors après, faut pas tout mélanger non plus. Toutes les années ne se ressemblent pas. Et regarde, opposé. Mais je sais pas, il y a des trucs que je trouve pas logiques, que je trouve un petit peu dommage. Et c'est la faute de personne en soi. Mais des fois, les journalistes, c'est là où tu vois, on leur a taillé un slip quasiment tous les soirs ici sur ce live. Mais il y a des journalistes, je lui dis, mais ça fait combien de temps que t'as pas allumé ta télé pour regarder un match de foot, toi? Ça fait 16 ans que t'as pas regardé du foot, non? En fait, c'est eux qui votent. Donc si leur vote il est pourri, il y a un peu de copinage, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça. Bon. Oh! Sors de là, sors de là! Mais qu'est-ce que... Oh! Granger.
Et lui, vraiment, je pense qu'à la fin de l'année, ça aura été le meilleur joueur. Hein. Le meilleur joueur de l'équipe. Hein. T'as changé les chaussures des joueurs. Ah, merci de l'avoir remarqué. J'ai changé les chaussures de tous les joueurs. Ça m'a pris un temps. Bien joué, Granger. Ça m'a pris un temps. Buffon méritait un ballon d'or à la place de Cannavaro. Ouais, ça se discute. Ça se discute. Mais il y en a plein comme ça, des ballons d'or qui n'ont pas été attribués. D'autres qui ont été attribués où tu te dis, ah ouais, oh, pff, pas ouf. Donc oui, pour répondre à la question d'il y a 10 minutes, je pense que le ballon d'or, en tout cas à mes yeux, il m'a déçu et il a perdu un petit peu de sa superbe quand Modric l'a eu et que ça n'a pas été un champion du monde. Ça m'a vraiment un petit peu saoulé, je t'avoue. Tu penses quoi du match d'hier? Salut Alexis, merci pour ton follow. Écoute, pour le match d'hier, pour être honnête avec toi, j'ai regardé viteuf la première période. Je te cache pas que ça m'a un peu saoulé. C'est quelque chose qui m'arrive en roule. C'est quelque chose qui m'arrive très très rarement. À la mi-temps, j'ai coupé. Et finalement, j'ai tout raté puisque la deuxième mi-temps était apparemment extraordinaire. Et du coup, j'ai tourné l'épisode qui sortira demain sur YouTube, l'épisode 3 de Liverpool. Donc, j'ai regardé un gros résumé aujourd'hui de 20-25 minutes. Je pense que j'ai vu l'essentiel des actions, en tout cas, je pense que je les ai toutes vues. Mais je n'ai pas regardé en live. Ouais, apparemment, j'ai pas vu l'histoire du patch, mais je sais pas si les gardiens vont rester aussi décisifs. J'aimerais, hein, moi j'aimerais, parce que moi ça me plaît les gardiens comme ça. Moi, ça me plaît les gardiens comme ça parce qu'ils sont décisifs sur les doubles arrêts, là, comme on a vu avec Granger là, juste avant. Moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Après, je sais que certains joueurs râlent, qu'il y a beaucoup de joueurs pro qui se plaignent parce qu'ils n'y arrivent plus. Hein. Forcément, la croquetta, elle passe plus 9,9 fois sur 10. Leur double R1, ben, ça marche plus. Et comme ça ressemble à du foot, ben, ils sont perdus. Donc voilà, on les embrasse, hein, les joueurs pro. Hein, mais il va peut-être falloir arrêter de vouloir jouer toujours un jeu arcade. Merci Don Quichute pour ton Prime. Merci beaucoup mon ref. Merci beaucoup pour ton sub. C'est adorable. Merci beaucoup. Et merci à Admiral aussi pour le follow. Merci à Raph pour le follow. Matisse, Eusebio et Godils. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Qui pour le trophée La Vie à Chine? Ça c'est une excellente question. Tu mettrais qui toi, Matisse? Meilleur gardien de l'année. C'est une vraie question ça. Je t'aime Nano, mais moi aussi, je t'aime cher ami, moi aussi. Salut coach, salut MF, comment ça va? Ça c'est mon nouveau geste préféré, celui-là, là. Je te le mets à toutes les sauces, là, celui-là, clac, clac, clac. Il est magnifique celui-là, boum, 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 boum. C'est tellement puissant. Oh, c'est mignon. Filou qui dit un petit mot d'amour à Madame Filou. C'est magnifique. Allez, ouvre. Allez, ça, c'est mérité. Il est beau, celui-là. Il est beau. Ouais, mais pour ce que tu me dis, Dish, pour les pros, c'est pas aussi simple que ça. La ligne de défense auto et les contre-auto sont insupportables. Il y a des choses à régler, comme toujours. Il y aura toujours quelque chose à régler. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y aura toujours quelque chose à régler. Mais par contre, les pros, c'est... Enfin, voilà, je veux dire, au bon moment, il y a de la Volvic dans leur tête et il y a un pois chiche qui essaye d'émerger. C'est compliqué, des fois. Hein. C'est très compliqué même d'avoir des discussions avec eux, des fois. Oh, c'est délicat. Enfin, eux, ce qu'ils aimeraient, c'est... Je synthétise et je grossis le trait volontairement. C'est L1 triangle, pouvoir courir à 100 000 à l'heure avec un joueur, faire R1, croquetta, et frapper et que ça soit sous la barre. Écoute, pour une fois qu'on a un jeu qui ressemble, il n'a jamais autant ressemblé à un jeu de foot ce FIFA. Qu'on soit d'accord ou non, c'est mon avis. On peut centrer. Bon, alors je reconnais quand même que les transversales et le jeu à l'opposé est quand même très très cheat. Mais quand je vous dis très très cheat, c'est vraiment très très cheat. Les enroulés, c'est très cheat aussi, il faut juger, il faut doser, c'est comme aussi
Les mains sur penalty, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins que sur FIFA 21, un petit peu moins. Après, il y en a toujours peut-être un poil trop, tu vois. Une fois par session de jeu, une main sur un penalty, parce que ça arrive tous les week-ends. Ça me choquerait pas, moi, tu vois. Tu fais une vidéo, t'as une main sur 5-6 matchs, ça me choque pas. Mais des fois, il y en a un peu trop, ouais. Allez, L1 triangle, c'était quelque chose. L1 triangle, tu prenais que des joueurs rapides. Tu faisais partir ton joueur, L1 triangle, ballon par-dessus, poum, terminé. J'ai l'impression que sur ce FIFA 22, c'est aussi assez efficace, hein, pour être honnête avec toi. Salut Vivi, comment ça va? Et merci à Erco09 pour le follow, merci beaucoup. Moi, j'ai pris un penalty sur une main alors que la balle n'a pas décollé du sol. C'est un bug, ça, mon rugbyvier, je pense. C'est un bug. Ouais, bah, des bugs, il y en a toujours. Hein, mais après, il y en a, ils sont un peu récurrents, si je peux me permettre. Sur le 20, le L1 triangle, c'était beaucoup, beaucoup trop fort. Mais des fois, Tsushimi, c'est une année sur deux, une année sur trois. Là, cette année, moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que les L1 triangle, c'est quand même... C'est quand même assez intéressant. C'est quand même assez fort. Après, il n'y a rien de plus cheat. Ouais, FIFA 15, c'était L1 triangle. C'était très, très cheat. Et tout le monde faisait que ça, de toute façon. Surtout sur FUT. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus cheat dans ce FIFA 22. Dans cette version 1.0. Il n'y a rien de plus cheat que les enroulés. Hein. Enroulés à 18 mètres. Bien dosé avec un mec qui a au moins 75 de finition. C'est but, hein. Merci JL Sherlock pour le follow, merci beaucoup. Et merci à TPLG aussi, merci beaucoup beaucoup pour le follow les amis. Nous sommes 10813. Si ça vous intéresse de savoir ça. On est bien ce soir, ça fait plaisir, ça régale. Je viens d'arriver, c'est les barrages. Pas encore, pas encore, pas encore. Il reste. Aïe, carton jaune. Ça, c'est la biscotte, ça. Il reste un match. Si je te raconte pas de crack, il nous reste un match de Ligue 2. La place de 4ème est quasi assurée. Hein. Quasi, quasi, quasi assurée. Ce qui n'est pas une bonne news. Parce que, à la limite, 3ème, ça m'aurait pas du tout déplu. Parce que, du coup, on se serait tapé le vainqueur de 4-5. Pour aller peut-être jouer le club de Ligue 1. Voilà, prise de balle. Ouais, c'est orange un peu. Christophe Dédiou. Non, Dédiou. Adji, mais le fuego à l'Allemagne. J'ai pas eu l'occasion de le voir, Adji. Je suis sur Xbox One et l'IA en ultime légende est vraiment pas ouf. Oh salut Lawer, j'avais pas vu que t'étais là, comment ça va mon ref? Beaucoup de comptes favorables. Putain, j'ai pas ce problème là moi. Je sais pas, le jeu je pense que c'est le même pour tout le monde. Hein. Moi je suis sur PS5. J'ai pas trop de soucis, alors peut-être que je m'en rends pas compte, mais j'ai pas trop de soucis de contre favorables moi. Ou alors vraiment je m'en rends pas compte du tout parce que... Regarde comme ils sont placés en défense là. Ils ont 11 joueurs dans leurs 30 mètres, c'est un truc de ouf. Opposé. Oh merde. Ultra fort dans 190 jours. Non, 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 non. Dans 190 jours, j'ai mis une date butoir. La date butoir, c'est la date de mon anniversaire. Pour être honnête avec toi. Dans 190 jours, c'est mon anniversaire. Et donc, du coup, j'ai mis... j'avais dit, en fait, si tu veux, pour être clair... Ah, d'ailleurs, faudrait que je vous parle d'un truc aussi. J'avais dit, pour mes 30 ans, j'irai à Ultra Ford. J'avais dit ça. J'avais dit, pour mes 30 ans, j'irai à Ultra Ford. On est l'année de mes 30 ans. Et je crois... Ouais, c'est ça que j'avais dit. Pour mes 30 ans, j'irai à Ultra Ford. On y est là, pour l'année de mes 30 ans. Donc dans 190 jours, j'aurai 31 ans. Donc il me reste 190 jours pour acheter un billet pour aller à Ultra Ford.
On est bien là, on est bien. Deux matchs de victoire. On a gagné combien? 1 ou 2-0 là? 1-0. 1-0 contre Sochaux. On a été correct, hein. On a été très très correct même. Hein. On a été très correct. Attends, on avait 0,7 d'expected goals? Putain merde. C'est là la limite de la lecture, tu vois, de ce genre de stats. Est-ce que tu ferais un vlog? J'ai pas de caméra. Avec mon téléphone portable, peut-être? Belle victoire. Ouais, on est d'accord, Emric. Plutôt victoire correcte. Il nous reste un ou deux matchs de Ligue 2 et c'est les barrages. Allez, le Nano FC. Bientôt en Ligue 1, j'espère, mon ami. Merci beaucoup pour ton Prime. Merci, Ternan. Merci beaucoup, beaucoup. Troisième mois parmi nous. Merci beaucoup pour ton resub avec ton Prime. Merci, cher ami. Ça fait plaisir. Ça régale, ça régale. Moi, les XG, c'est 2,5 minimum à chaque match. Ah, c'est bien FIFA 22 sur PC ou pas? Je crois que c'est la version... sur PC, je crois que t'as la version PS4 Xbox One, je crois. Si tu peux l'avoir sur PS5, c'est mieux. Il reste le match contre les Chamois Niortais. On les salue, évidemment. Oh, putain, j'avais oublié ça. J'avais zappé complet la demi-finale de Coupe de France. Face à Lens. Putain, c'est vrai qu'on a toujours cette épopée en Coupe de France, ouais. Il reste Lyon, Nice, Lens et nous. On va jouer contre les 100 et hors de Kiki The Beast, rendez-vous compte. Salut TPLG, comment ça va? C'est passé vite la saison avec le Nano FC. C'est vrai que c'est passé plutôt vite, ouais. Il nous reste deux matchs. Dernier match de Ligue 2 face au Chamois Niortais, qu'on avait battu, je crois, à l'aller. Hein. On avait fait 2-2, je sais plus. On a été bon en Coupe de France. Hein. Où est-ce qu'ils sont les Chamois? Je ne les vois pas, je ne les vois pas. Je les ai pas vus. Je les ai pas vus. On a joué que deux matchs en mois de novembre. Putain, on s'est frisé la moustache. Ok, bon, je les ai pas vus, qu'importe. Alors, du coup, on est sûr de finir quatrième. C'est sûr et certain. Le Nano FC en Europa League, mais en Ligue 2, c'est possible. Ah, ben si on gagne la Coupe de France. Alors, c'est sûr et certain qu'on aura Auxerre et Amiens en Ligue 1. C'est sûr et certain. Puisque, il y a Dijon aussi. Dijon qui peut rattraper... Oh, ça régale, le train de la hype. Merci Zaimo, 6 mois consécutifs. Zaimo qui nous dit, comment ça va toute l'équipe? Sinon, est-ce que t'as vu la liste du Ballon d'Or? Oui, on en a parlé vite fait tout à l'heure, t'en penses quoi? Écoute, c'est vraiment pas mal la liste des 30 du Ballon d'Or. Peut-être qu'on en parlera en fin de live tout à l'heure. J'ai pas vu Kimmich, il me semble, sur la liste. Moi, je vais me la mettre sous les yeux. Si je la retrouve. Ça marche toujours pas Instagram? Ça marche toujours pas. Ah si. La liste du Ballon d'Or, on peut en parler après, ouais, si tu veux. Simule. Non, je simule jamais, moi, Matisse. Jamais. Never. Malheureux, sacrilège. On simule pas. Là, le classement des buteurs, le classement des passeurs, le goal average, t'es ouf, toi. Jamais. Donc, le goal average, on a quoi? On a plus 22, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. Plus 22. Le taf a été bon, offensivement. Troisième meilleure attaque. On va se taper un match contre Nîmes, puis un match contre certainement Dijon ou Amiens. Putain, ça fait chier, hein, tous les... C'est quoi? C'est les matchs nuls qui nous plombent? Là, les défaites. 7 matchs nuls, 10 défaites, 20 victoires. C'est même pas les matchs nuls, c'est les défaites hein, qui nous plombent. Simuler, c'est pour les faibles. Bien... Ouais, bien vu, Zaimo. Moi, je suis vraiment pas fan de la simulation. Vraiment pas. Alors, qu'est-ce que je cherchais tout à l'heure, la liste des ballons d'or, c'est ça? Enfin, du ballon d'or. Je vais me la mettre sous les yeux, si vous le voulez bien.
Alors, liste du Ballon d'Or. Nicolò Barella, Karim Benzema, Bonucci, De Bruyne, Chiellini, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Donnarumma, Bruno Fernandes, Phil Foden, Erling Haaland, Jorginho, Harry Kane, N'Golo Kanté, Simon Schker, waouh, ok. César Azpilicueta, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Gérard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling et Luis Diaz. Donc il n'y a pas Kimmich, c'est bien ce qui me semblait. Ah, il y a 2-3 noms. Quel est le ballon d'or le moins mérité? Vous avez un sondage en cours. Personnellement, je vais voter 2018, celui de Luka Modric. Et c'est celui qui a 75% des votes. Moi, j'aimerais que Benzema soit très haut dans le classement du ballon d'or. Mais même si j'adore Benzema, moi, je veux que ça soit Lewandowski. Dernier match de la saison de Ligue 2 face au Chamois Niortais. C'est parti. Lewandowski mérite le ballon d'or. On est plutôt d'accord. On est plutôt d'accord, cher ami. Moi, je veux Kanté au moins dans le top 3. C'est vrai que Kanté, il serait très méritant. Allez, je vais dire, le problème, c'est que ça va... Quand t'en choisis un, forcément, t'en délaisses un. Mais moi, si c'est Lewandowski, Benzema, Kanté, je serais pas malheureux. La carrière avec Liverpool, ça sort demain à 10h. Tout est prêt. Ouais, Simon Kerr, c'est un bon gars, il n'y a pas de souci, pas de problème. Et je pense qu'il est important du côté de Milan. Après, ça veut dire que dans les 30 du Ballon d'Or, quand même. On est d'accord, Boumi, on est d'accord. Lewandowski, c'est quand même 24 mois plein gaz, hein, quand même. C'est parti, dernier match sous le coucher de soleil. C'est où? C'est à Niort. Je pensais que c'était à Nano City. Ah, c'est pas con ce que tu dis, Hurle-Ciel. J'avais même pas pensé. Simon Schker, est-ce que ce serait pas... Oui, je me demande si t'as pas raison. Ça m'était complètement sorti de la tête. Je me demande si il a pas raison, Hurle-Ciel, sur ce qu'il dit. Est-ce que c'est pas une nomination honorifique par rapport à son soutien de Eriksen pendant l'Euro? Si, c'est complètement possible ce que tu dis, Hurle-Ciel. J'ai pas la news. Je sais pas si tu as quelque chose, toi, d'officiel, mais c'est complètement crédible, ouais. C'est complètement crédible, ouais. Bah, c'est vrai que sportivement, pardon, mais ça serait logique dans ce cas. Ouais, on est plutôt... Alors, on est plutôt très, très en phase, alors, dans ces cas-là. Si c'est une nomination honorifique par rapport à son soutien sur la détresse d'Eriksen, c'est plus que validé. Plus que validé, même. Pourquoi il me fait prise de balle intérieure alors que c'est prise de balle extérieure, Mara? C'est pas logique. T'as pas complètement tort, Sushimi. Après, tu lui en dois quand même un. Tu lui en dois quand même un par rapport à celui que tu lui as sucré l'année du Covid. Là, tu peux pas dire qu'il a rien fait en Champions League. Pour moi, c'est un ballon d'or de 2 ans. Hein, c'est pas un ballon d'or de 1 an. Et quoi qu'il arrive, j'en reviens toujours à la même conclusion. Je le donnerai, quoi qu'il arrive, à Robert Lewandowski. Ah, la frappe, affreuse. Nano en Ligue 1, ouais, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, Naï. Ça va être compliqué, cher ami, on n'y est pas encore. Hein. Putain, il a même pas les 4 étoiles, lui. Tu parles d'un crack. Lewandowski porte son pays tout seul à l'Euro. Bah, Lewandowski, en tout cas... Il fait ce qu'il peut avec les armes qu'il a, ça c'est sûr. Mais ça aurait été intéressant, tu vois, de la part, je pense, de France Football.
On est bien d'accord que c'est le ballon d'or, je crois. C'est le ballon d'or de cette année-là. Mais est-ce qu'il juge que cette année, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu de zeste de l'année dernière? Respecte-moi, toi, avec tes petits ballons piqués. Je sais pas. But de l'Allemagne, Serge Gnabry. Merci Vianney pour le live score. Merci François pour le follow. Merci à Salgos aussi pour le follow. Et à QD, GMT, merci beaucoup. Bien ça. Oui, je pense, Hurle Ciel, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Maintenant, parlons des Wizards, Hurle Ciel. Parlons basket. Et parlons d'Atlanta. Accélère, Maurice. C'est un tir au pigeon qui nous fait, lui. C'est du ball trap. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi aussi, Gustavo. Je redoute un petit peu ce genre de choses-là. J'espère que ça n'arrivera pas, mais... Arrêtez avec vos ballons piqués, là, les Chamois Norté. Oh, c'est un truc de ouf. Ah, c'est pas con ce que tu dis, Dish. C'est pas con. Ouais. Créer le titre Simon Kerr qui récompense la plus belle action. Plus belle action de façon générale ou la plus belle action fair play, pourquoi pas. Hein. C'est pas con du tout. La FIFA est très, très friande en plus de ce genre de choses-là. Désolé, j'ai pas pu venir avant, j'étais à l'entraînement. Pas de soucis, Nico, je t'en prie. Pas de soucis. Pas de soucis, cher ami. Et tu sais quoi, c'est le dernier match de l'année. On a la demi-finale de Coupe de France après. On va préserver De Vos. On va faire jouer Di Liberto. Selmi va rentrer à la place de Mas. Et Varga va sortir à la place de Marquet. J'ai changé avec Timel. Regarde. J'ai abrégé. Est-ce qu'elle marche la nouvelle commande là? Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai même pas regardé si ça fonctionnait. Je vous mets des trucs, mais j'ai même pas regardé si ça marchait. Est-ce que ça marche ça? Ah, parfait. T'aimes bien jouer. Oh, c'est cheat les enroulés. C'est cheat à mort. Hein. C'est abusé. Hein. Alors, est-ce que tu t'éclates sur le mode club créé? Oui, c'est vraiment, vraiment très bien. L'interface est très sympa. Le lancement est très, très sympa. Les paramètres que tu peux mettre et personnaliser sont très, très sympas. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Je fais que du mode carrière, mais le prix... Écoute, si t'es pas... Alors, prix de lancement, semaine de lancement, je crois que je l'ai trouvé à 52 euros le jeu. Si t'es pas à 50 balles près, ce qui est une somme, on est d'accord, tu peux foncer, les yeux fermés, parce que le jeu est très, 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 très bon. Les nouveautés sont top. Si t'es sur Next Gen, le jeu, je crois que c'est 60 balles. Si t'es sur PS4 ou Xbox One, c'est un peu moins cher. Mais le jeu est super cool. La création de club, c'est vraiment, vraiment, vraiment super cool. Tu peux pas choisir tes joueurs, tu peux choisir le niveau, l'âge, etc., etc. Les maillots aussi, ça c'est super cool, tu peux le changer tous les ans d'ailleurs, je crois. Peut-être qu'on changera notre maillot domicile ou extérieur, je sais pas, on verra. Après, je les aime bien ceux-là, moi. Mais le jeu est vraiment cool, franchement. À voir. 50 balles, je pars du principe que plus ou moins, tout le monde les a. Après, il faut savoir dans quoi tu les crames.
Est-ce que tu les crames un jeudi soir quand tu sors en soirée étudiante pour acheter une place en boîte de nuit, acheter une bouteille, etc., etc. Est-ce que tu les crames en achetant des clopes, ce qui serait une connerie monumentale? Est-ce que tu les crames en... Je sais pas, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Pas de leçon à te donner, mais le jeu, tu vas le garder toute l'année. Trace, il est solide marqué. Trace, ce rock. Donc voilà, après, comme tu veux, mais si tu l'achètes en grande distribution, style Carrefour, Auchan, Espace Culturel, Leclerc, etc., le jeu, tu l'as 51€, 52€. On est d'accord, Zemo, les nouveautés sont vraiment cool. Vraiment cool, et je devrais pas dire ça, tu vois. Mais j'ai déjà hâte de voir ce qui va se passer pour FIFA 23. Vrai de vrai, j'ai déjà hâte de voir ce qui va se passer pour FIFA 23. Déjà, on a le moteur Hypermotion, là. C'est pas vraiment un moteur graphique, hein, c'est plus... mais imagine un FIFA qui passe sur de l'Unreal Engine 5. Je crois qu'on en est au 5, en moteur graphique. Là, on a quoi? Comment il s'appelle? Merde, je sais plus comment il s'appelle, le moteur graphique actuel. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais imagine, on step up parce qu'on est sur la PS5. Et que, bah là, c'est des jeux un peu cross-gen. T'as des nouveautés PS5 et la nouvelle Xbox, là, je sais pas comment ça s'appelle. T'as des nouveautés, évidemment, qui sont que sur next-gen. Mais on reste sur un jeu un peu plus beau que la PS4 et la Xbox One. Mais globalement, c'est le même, plus ou moins, moteur, etc., etc. Mais quand ils vont faire un jeu graphiquement à la hauteur de la PS5, ça va nous arracher la rétine, je pense. Hein. Ah, Frostbite, c'est ça, Frostbite. C'est toi qui as raison, c'est ça, Frostbite. C'est ça. Bah là, on a le Frostbite. Imagine une sorte pour 2023, le Frostbite 2. Avec un truc extraordinaire. Les PS5, ça se sera un petit peu... Granger, c'est extraordinaire. Homme de la saison pour moi. Mais un Frostbite 2... Ce serait... Non! J'avais été sûr. Ouais, ce serait fou. Ah, graphiquement, ça va être incroyable. Hein. Après, j'ai pas de news, hein. Je vous balance ça comme ça, j'ai pas de news. Hein. J'ai rien, et même si je savais quelque chose, j'aurais pas le droit de le dire. Donc c'est bien la preuve que j'ai rien. Je crois que c'est déjà le Frostbite 2, si je dis pas de bêtises. Ah, je sais pas du tout, Tom. C'est quoi, t'as vu ce qu'il a fait le gardien? Il est parti d'un mauvais sens, il est revenu sur ses pas, c'est nouveau ça non? Oh, j'avais jamais vu. Le gardien il est parti du mauvais sens. Il s'est réajusté frère, j'ai jamais vu ça. Alors il était très en retard, je n'ai jamais vu ça. Non! Incroyable, j'ai jamais vu ça. Truc de fou, salut Rafma, comment ça va? Salut Hervé aussi, comment ça va? Pareil pour Touquet, c'est une dinguerie les graphismes next-gen. Ouais, je suis d'accord. Alors que sur PC, c'est pas logique. T'as des PC, c'est des avions de chasse les trucs, c'est des Falcons. Et c'est des PC à 2000-3000€, tu vas pas me dire que ce que tu peux faire tourner sur la PS5, tu peux le faire tourner sur les PC. Mais en fait, c'est une question de... surtout de pas se faire chier, voilà. Parce que sur PC, t'as le gars qui a une bécane, qui a 15 ans, tu vas lui faire un jeu qui démonte. Et il va te dire, c'est une question d'optimisation, il va te dire, mais ça tourne pas, c'est de la merde, etc. Et t'as le gars qui a une bécane de folie. À qui tu vas faire un jeu super bien pour qui ça va passer, mais c'est ça qui est relou. Alors que la PS5, tout le monde a la même PS5. La Xbox One, tout le monde a la même Xbox One, etc., etc. Donc tu sors le même jeu pour tout le monde. Alors qu'un PC, on n'a pas tous le même. Ah oui, il m'a grangé là, il m'a scotché. Et c'est vraiment le meilleur gardien de Ligue 2 de France, de Navarre et de Dom Tom de partout, hein. Il est grangé, mais il est extraordinaire. J'ai l'impression qu'il a 99 de gêne tellement il est fort. C'est un truc de ouf. Quel gardien arrive sur un tir, sur un penalty, à se réorienter pour partir dans le bon sens quand il est dans le mauvais sens? C'est un truc de ouf. On va avoir des problèmes de dopage avec lui, je vous le dis. C'est quasiment sûr. Hein. Salut Nano, ça va et toi, le débrouillard? Comment ça va, cher ami? Est-ce que tu es au courant que EA songe à changer son nom? Écoute, j'ai vu. J'ai rien dit, mais j'ai vu. À mon avis, vous le prenez comme vous voulez, sauf retournement de situation, le prochain jeu de EA en foot, il va s'appeler FIFA 23. Vous prenez ce que vous avez à prendre ou vous ne prenez pas. À mon avis, ça sera FIFA 23. Mais on verra, hein. Écoute, on verra.
Si je suis au courant de quelque chose et qu'on a le droit de vous en parler, je le ferai avec grand plaisir. Ce qui m'étonnerait, hein, ce genre de truc-là, c'est quand même assez, assez chaud. Mais EA Sports Football 23, j'ai vu tous ces trucs-là. En fait, ce qui m'énerve un peu sur, sur Twitter, c'est que une news comme ça, alors une potentielle news comme ça, on t'en fait des trades de... Écoute, aujourd'hui, il y a la fin de contrat à la fin de l'année civile. Fin 2022, il y a une fin de contrat. Ils ont tout intérêt, je crois, commercialement parlant, et même dans tous les sens du terme, ils ont tout intérêt à garder le nom de FIFA. Puisque la FIFA, c'est l'instance de football la plus forte. FIFA, dans les yeux de tout le monde et dans les oreilles de tout le monde, bah, c'est le jeu de foot sur la console. Je pense que PES s'est tiré une balle dans le pied, et en changeant son nom, et avec la merde qu'ils ont pondue, ça c'est très personnel ce que je vous dis, donc si toi tu fais un changement alors que t'as le vent en poupe, voilà, moi je crois très sincèrement que le prochain FIFA, enfin le prochain jeu de foot de EA Sports s'appellera FIFA 23. Vous prenez pas ce que je vous dis, c'est vous qui voyez. Mais c'est ce que je pense en tout cas. Salut Elias, comment ça va cher ami? Bonsoir le chat, bonsoir Nando, j'espère que vous allez bien. Comment ça va Elias, cher ami? Premier commentaire pour moi sur YouTube ou sur Twitch. Oh, privilège. Tout d'abord, je tenais à te remercier pour ce que tu fais et t'encourager à continuer. Merci beaucoup, c'est adorable, c'est très gentil ça. Tu apportes une approche tactique à la façon qui te distingue des autres créateurs de contenu FIFA. Merci beaucoup, oh, c'est adorable. Quand on regarde tes vidéos, tes streams, on regarde pas simplement du FIFA, mais on apprend. Merci beaucoup, putain, c'est incroyable ça. On partage et ça c'est beau, grosse force à toi, merci beaucoup. On est de la même famille ou pour avoir un message aussi gentil? Ou peut-être on se doit quelque chose. Merci beaucoup cher ami, c'est adorable, merci beaucoup beaucoup. Quelle gentillesse. Ça fait tellement du bien de dire ça. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien aux yeux. Salut bien ou quoi? Comment ça va Check? Check Matt, comment ça va? Nano fait un nouveau maillot pour l'équipe de, pour la Coupe de France. Je peux pas, c'est à la fin de la saison Vianney. À chaque fin de saison, avec ton club, tu peux changer ton maillot. Là, on n'est pas à la fin de la saison, puisque la saison n'est pas finie, on est en demi-finale de Coupe de France. Mais à la fin de la saison, peut-être qu'on changera, ouais, on verra. En tout cas, merci beaucoup, Elias, hein, c'est adorable ton message, merci beaucoup, beaucoup. Salut Nano, j'ai loupé quoi? Salut Marius, t'as loupé la fin de la Ligue 2, c'est terminé, la Ligue 2 est... Et terminé, cher ami. Hop, il faut qu'on aille là. Et je vais te montrer ça avec plaisir. Avec plaisir, plaisir. Là, j'ai bouffé trop vite, j'ai des rototo. La Ligue 2, ça donne ça, au final. Sans surprise, Amiens et Auxerre sont promus en Ligue 1. Et c'est archi mérité au vu de la saison qu'ils ont fait. Dijon sera barragiste et prendra le vainqueur de Nîmes contre... je sais pas si Nathan est toujours là. Notre ami Nîmois. Le vainqueur de Nîmes, Nano FC. Je vous le redis, c'est pas du tout être pessimiste ou quoi que ce soit. Il faut qu'on tape Nîmes, après il faut qu'on tape Dijon. En plus, c'est aller-retour à chaque fois, je crois, non? Je crois que c'est aller-retour à chaque fois, cette merdasse. Hein, je suis pas sûr. Il faut qu'on tape Nîmes, il faut qu'on tape Dijon. Et il faudra qu'on se tape... Blablabla. Dortmund a été champion. Incroyable. C'est où la Ligue 1? Suspense, roulement de tambour. J'espère que c'est pas Brest, parce que sinon c'est mort, hein. Lyon a été champion de France, félicitations à eux, un point d'avance. Ah non, il reste une journée, pardon, je raconte des cracks, il reste une journée. 18ème pour l'instant, c'est Lorient. Putain que j'adorerais que... Oh, tant mieux, si c'est pas Brest, je suis refait. Je suis refait si c'est Lorient. Après, il faudra taper les autres de Ligue 2 quand même. Allez, c'est parti, demi-finale de Coupe de France face au Sang et Or, un des plus beaux clubs de France. Nos amis Lensois. Attention, il se passe quelque chose. Pour nous, en Coupe de France, il se passe quelque chose. Pour l'instant, on a sorti beaucoup de clubs de Ligue 2. Je reconnais qu'on a eu de la chance au tirage. Et de Ligue 1, on a sorti Montpellier de Ligue 1. Saint-Etienne qui est au fond du gouffre, en vrai. Et ils maintiennent leur coach. C'est à la fois gentil et à la fois un bel acte de culture sociale, si je peux me permettre. Parce que c'est vrai que Claude Puel, c'est vraiment... Il ferait du bénévolat, on verrait pas la différence, hein, je pense.
Pourquoi pas Brest? Parce que c'est plus fort. Pour moi, Brest est plus fort que Lorient, c'est plus fort que Clermont, c'est plus fort que tout. Donc je veux surtout pas Brest en barrage. Je préfère Lorient. C'est plus un club qui ne sait pas rentrer au Nano FC. C'est un autre, je kiffe ce que tu fais. J'aimerais savoir quel est ton club de cœur en France et pourquoi. Merci déjà beaucoup pour ton message. Mon club de cœur en France, l'AS Monaco. Depuis que j'ai 8-9 ans à peu près. Depuis que je suis en âge de choisir un club. Et mon frère était supporter de l'AS Monaco. On est parti un jour avec mes deux parents. On est parti, j'étais tout petit, en vacances, pas très très loin de Monaco. Et on avait saoulé, mon frère était supporter de Monaco déjà, qui est un petit peu plus âgé que moi. On avait saoulé nos... Ouais, ça va vite déjà. On avait saoulé nos parents pour aller passer une journée à Monaco. Et en fait, on était nez à nez avec le stade. Et du coup, c'est comme ça. Même mon frère était déjà supporter de ce club-là. Et c'est comme ça que j'ai... On choisit pas, en fait. Ça te tombe dessus. Et voilà. Voilà pourquoi l'AS Monaco. Ça a l'air dur, hein. Ça a l'air très très dur, l'AS. J'ai l'impression que c'est le meilleur club de Ligue 1 qu'on a affronté en Coupe de France. J'ai fait une carrière avec le Barça, je me régale. Tu m'étonnes, Wido, tu m'étonnes. Ça doit être vraiment, vraiment sympa de faire une carrière avec le Barça cette année. Et on salue tous les gens et potentiellement tous les youtubeurs qui sur FIFA 23 prendront Newcastle. On les embrasse fort. Je sens pas du tout ce match. Voyons comment ils sont. Je regarde juste un truc hein, sur l'équipe adverse. Donc ils doivent être en... Offensivement, ils doivent être en équilibré, je pense. C'est abusé, les transversales, c'est abusé, mon ref. Hein. Laisse tomber, on dirait Toni Kroos, mes joueurs de Ligue 2, là. Ouais, j'aimerais bien juste changer un truc, vite fait. J'ai enfin signé mon CDI depuis mardi. Yes, félicitations. Bravo Madame Filou pour ton CDI. Force à la famille Filou. Ça régale, ça fait plaisir. Je bois un... Alors c'est de l'eau, mais je bois un coup à votre santé, les amis. Ça régale fort, fort, fort. Félicitations. On va tenter ça. C'est un peu, pardon l'expression, pardon le mot, c'est un peu salope de faire ça. Mais je pense que ça peut avoir son petit effet. Demi-finale de Coupe de France avec le Nano FC, c'est ouf quand même. Changement, Thomas Müller rentre pour la Mannschaft. Ça fait toujours un partout, Allemagne, machin chouette. Hors jeu, t'enflamme pas, petit. But du Nigeria. Deux pour l'Algérie. Ok, gagné 2-0. Merci pour les scores, les gars. Ça fait plaisir, ça régale. Oh là là, c'est fou. C'est foot. Oh, c'est le Brésil. C'est le Brésil. Je suis en train de passer la pire soirée de ma vie. En plus, mon casque et ma manette viennent me lâcher. Merde, ça fait chier, ça. Je pense qu'il y aura pire dans ta vie que ça, mais je comprends que ça fasse chier, ouais. Toujours 1-1 Allemagne-Roumanie. Müller est rentré à la place de Timo Werner. Ça sent quand même que c'est une Ligue 1. Et pourtant, tu vois, c'est lent. C'est une superbe équipe. Y a pas de souci. Mais sur le jeu, c'est pas non plus. C'est pas Paris, quoi. Ni Lyon, ni Marseille, ni Monaco, ni Lille.
Tant tous les cités, comme ça au moins, on ne froisse personne. Bien défendu, ça. Ah, si on les amène au pénalty, c'est incroyable. Après, j'ai l'impression qu'offensivement, ils sont bien intéressants. Mais dans le repli défensif, ils restent très haut. Regarde, en une passe, et elle passe, du moins elle arrive à destination, tu peux casser une ligne de 3-4 joueurs, quoi. Je te leur fous le bouillon. Je te leur fous le bouillon, laisse tomber. Hein. Ouais, calme-toi avec les majuscules, je suis d'accord avec Matisse. Arrêtez de suite avec les majuscules. De suite, de suite. C'est pas parce que vous écrivez en majuscule que je vais plus le voir. Hein. Merci Kader pour ton follow. Merci beaucoup, cher ami. Merci à Massani aussi pour le follow. Ça régale. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, la touche majuscule qui est bloquée, les amis, c'est pas un bon deal, ça. Surtout pas. On en parlait tout à l'heure de Klos. Il va à 100 000 à l'heure, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce qu'elle a déjà été posée la question à Didier Deschamps en conf de presse sur Klos? Je sais pas. Kiki the Beast, toi qui es supporter de Lens, tu dois mieux savoir que moi, ça. Je suis obligé de jouer en champion, en légende, mais je me fais tuer. Ah ouais? Je suis intimement convaincu que si je fais un match là en légende ou en champion, je perds. Quasi sûr. C'est une question d'adaptation, en fait, de la façon dont joue l'IA, quoi. Donc, moi, je suis intimement convaincu, par contre, à l'inverse, que si tu joues en ultime, tu fais 10 matchs, à partir du 11e, tu perds plus. Est-ce que tu peux expliquer le parcours que tu as fait pour devenir coach, s'il te plaît? Oui, si tu veux, Alex, après cette question-là, j'ai répondu peut-être 12 milliards de fois. Donc, on va répondre 12 milliards une fois, exprès pour toi. Mais ça, avec plaisir. Pour t'expliquer le parcours le plus simple, et je vais te le faire en synthétique parce que c'est beaucoup trop long et je l'ai déjà dit 1000 fois. Moi, j'ai fait une fac de sport, option foot. En option foot, tu as deux catégories. Tu as l'option foot pro et l'option foot qui sert à rien. Ou juste on te donne un ballon et tu joues au foot. Ça te permet de commencer à passer tes modules. Alors, je crois qu'il y a plusieurs facs de sport qui font foot. Foot pro. Foot pro, c'est pas professionnel, hein, c'est professionnalisant. Et tu peux commencer à passer tes premiers modules. Tu peux commencer à passer modules voilà, U11, U13, etc., etc. Une fois que tu as tous tes modules, tu passes tes certifs. CFF1, CFF2, CFF3. Et après, tu t'inscris à ton BMF. Le BMF, il le donne à tout le monde. Il le donne même à n'importe qui. C'est quand même assez dramatique. Mais c'est qu'une question de temps, hein, le BMF. Tu peux être une vraie pipe au foot et avoir un BMF. Donc, c'est merveilleux. Donc, c'est qu'une question de temps. Et il y a faute là. Et après, voilà, du coup, BMF, c'est l'équivalent de UFAB. Après, tu as BEF qui est l'équivalent de UFA. Et après, tu continues. Jusqu'à BEPF, etc., etc. Ça fait plus de 6 mois que Nano est sur Twitch. Ça fait 6 mois, je crois, Rafma. Je crois que c'est ça. Ça fait 6 mois qu'on y est. Puisqu'on a créé notre Twitch, notre premier live, c'était quoi? C'était en avril, je crois. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est ça, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Je peux avoir le BMF. Oui, Phil, tu peux. Même Madame Phil, elle peut avoir le BMF. Il va y avoir une réforme, d'ailleurs, du BMF dans 2 ans. On en a parlé l'autre jour en réunion. Tous les gens qui ont des équivalences ou des petits modules, etc., il y a tout qui va être remis à zéro dans 2 ans. Alors, ça peut encore changer, parce que la Fédé adore changer. Tout le temps. Moi, une année, on me dit, championnat U13, il est qualificatif pour les U14 Régional 1. Tu fais, ok. Après, on te dit, non, plus cette année, en fait, finalement, c'est les 14. S'ils se maintiennent, et ben, ils se maintiennent pour l'année prochaine. S'ils se maintiennent pas, ben, c'est fini pour eux. Après, on te redit à toi, du coup, vous, le championnat, ben, le vainqueur, il ira en U14, et du coup, ben... Si vous n'êtes pas vainqueur, tu n'iras pas en U14. Quoi. Tous les ans, ça change, c'est fatigant. Ils ont du mal à se fixer, ça c'est relou un peu. Encore. Oh, qu'est-ce que tu fais, frère? Mais voilà, pour le coup, le BMF, oui, même Madame Philou, elle peut y aller. Hein. Elle peut y aller à Laura. Hein. Ils ont fait un super truc là, par contre, ça me tient à cœur de le dire et de le faire.
la Fédération Française de Football a offert pour tous les gens qui sont inscrits au BMF cette année un an d'abonnement au magazine Vestiaire. C'est un magazine que j'adore, avec qui j'avais essayé de discuter un petit peu pour... Bien joué, Granger, putain, il est trop fort. Avec qui j'avais essayé de discuter un petit peu pour vous en parler, essayer de faire un partenariat et tout ça. Bon, trop compliqué. Trop compliqué parce que c'est un petit magazine, ils ont pas un flèche, donc c'est trop dur. Mais je leur demandais rien du tout, en tout cas financièrement rien du tout. Mais ils voulaient faire un test, moi je leur demandais des trucs, des bouquins, des trucs comme ça. Bon, trop compliqué. Histoire sombre, trop compliqué. Et du coup, on a laissé tomber. Mais peut-être que ça reviendra un jour, je sais pas. Mais la Fédération Française de Football a offert un an d'abonnement à tous les gens qui étaient inscrits en France au BMF cette année. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment la classe. Alors après, ça coûte rien, hein. Ça coûte 5 euros par mois. Et t'as un magazine tous les deux mois. Donc ça fait 10 balles en gros par magazine. Mais c'est un magazine que j'adore. Après, il s'adresse vraiment aux éducateurs. Si vous lisez L'Équipe et France Football, n'achetez pas Vestiaire Magazine. Parce que sinon, vous allez me détester, quoi. Je peux vous montrer après. Je les ai au salon. J'aurais dû en prendre un ce soir. Le prochain, d'ailleurs, c'est avec Claude Puel. L'interview de Claude Puel. J'avais pas vu le temps. J'avais pas vu le timer. Merci Maizen pour ton follow. Merci beaucoup. Merci à Quentin aussi. Et merci aussi. Alors pardon, je pense que je vais mal le dire. Hein. L'ASGL Family. J'ai peut-être mal dit. Merci beaucoup, beaucoup pour le follow. Ça régale. Ça fait plaisir. C'est la famille. Elle est là. Perrin, il est sur les rotules. Si tu fais ça, Xerox, c'est... Terminé, bye bye. Je sais très bien l'idée de merde que t'as dans la tête. C'est hors de question que tu fasses ça, cher ami. Hors de question. Et si tu le fais, je ferai semblant de pas le voir. Trois ans que je te suis avec ma copine demain. Mais non, c'est sérieux? Merci Rasco, ça régale. Ça régale, ça régale. Négatif, si vous faites un abat les lunettes, je ferai exprès de pas le voir. Négatif, négatif, négatif. Là, on n'est pas du tout ensemble, les frères, sur ce coup. Hein. Vraiment pas. Merci, Raph, et merci à Football Club 44 pour le follow. Merci. Ça régale, la famille. Merci beaucoup. Bientôt 11 000, hein. Ouais, madame est fan de FIFA. Mortel, mortel, Rasco. Eh bien, écoute, toute la team tacticien et la famille tactique se joignent à moi pour vous embrasser fort. 3-1 pour l'Algérie, penalty de Riyad Mahrez. On le voit où, d'ailleurs, Riyad Mahrez? Il l'annonce du côté de la Juve. Et je vous ai mis un tweet pour déconner avec marqué Mahrez à l'Inter, parce que j'ai quand même l'impression que l'Inter, c'est une... Alors, je ne vais pas dire une maison de retraite, parce que Mahrez n'est pas non plus à 34 ans. Mais tu sais que, sans déconner, moi, Riyad Mahrez à l'Inter, ça me déplairait pas. Je pense qu'il a pas envie d'y aller, lui. Encore que. Mais ça me déplairait pas, hein. S'il va à la Juve, à la limite, je pourrais le comprendre. Là, tu vois, tu mets un Riyad Mahrez à la Juve avec... avec un Dybala qui devrait re-signer son contrat aussi. Quand tu penses et quand tu sais que je crois que le troisième plus gros salaire ou quatrième plus gros salaire de la Juventus Turin, c'est Aaron Ramsey. Et juste après, tu as... Je t'ai vu, petit. Allez. Et juste après, tu as Adrien Rabiot. Bah, Adrien Rabiot, à la limite, je te dirais... Culé. Farines, ta mère. Mais Adrien Rabiot, à la limite, il est titulaire, il est international. Pas de problème. Et je pense que le fait qu'il est arrivé sans indemnité de transfert du Paris Saint-Germain, ça a dû y jouer dans le salaire qu'on lui a proposé, évidemment. Même chose pour Aaron Ramsey, qui est un joueur intéressant, en plus, hein. Mais il s'est complètement perdu depuis qu'il a tué Aaron Ramsey. Il est devenu quoi maintenant? Il fait des tacos à la buvette du match, non? Chiesa, quelle jambe il a, lui. Chiesa, j'adore. Souvenez-vous, je vous l'avais acheté en 2018, Federico Chiesa, sur la Carrière Manager avec l'année du cœur, l'année avec Manchester United. Je vous avais parlé un petit peu de son papa et tout ça, je sais pas si vous en souvenez. Aaron Ramsey, c'est devenu Gordon Ramsay. Ben voilà, c'est ça. C'est ça, Aaron Ramsey, c'est Gordon Ramsay. Il fait des steaks maintenant. Il fait des steaks, il fait du poulet, il fait... Voilà. Magnifique.
Mahrez, je le prends à Liverpool tous les jours. Et ouais, mais en fait, on déplace le problème, Allen. Moi aussi, je le verrais bien à Liverpool. Mais tu déplaces le problème, parce que le temps de jeu qu'il n'a pas à City, il n'en aura pas plus à Liverpool, avec des Sadio Mané, des Mohamed Salah. C'est trop compliqué. Non ! Super. Donc, je te dis, tu le mets à la Juventus Turin. Avec Dybala, je trouverais que c'est intéressant. Avec un Chiesa, je trouverais que c'est vraiment, vraiment intéressant aussi. Et là, tu redonnes un peu de dynamite à cette équipe de Turin. Alors, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour te dire ils vont être champions, ils ne vont pas être champions. Je pense que moi, on a mis de l'huile dans la machine, ça va partir. Hein. Je pense que c'est Allegri, c'est un bosseur. Si vous avez l'occasion de lire son livre, il est très, très intéressant. C'est un livre grand public, c'est pas un livre de spécialiste. Mais il est vraiment, vraiment intéressant. On leur tient tête hein, quand même à Lens. Hein. On est vraiment pas ridicule. J'ai l'impression que plus c'est dur, plus notre équipe elle se met à niveau. Mais moi, je crois que la Juve, quand ça va démarrer, et je peux peut-être me tromper, mais je reste, je suis pas si négatif et si pessimiste sur la suite de la saison de la Juventus Turin. Hein. On verra, hein, mais... Entrée de Corentin Jean. Je vous dis la vérité, ça me déplairait pas d'aller jusqu'au pénalty. Hein. Je vous le dis depuis tout à l'heure. Et en plus, on leur fait tête. Hein. Je suis désolé, mon Kiki the Beast. Hein, mais... Ah, je crois que j'ai un changement en plus. But de l'Allemagne, Thomas Müller. Coaching payant, ça, Vianney. Ah, Thomas Müller, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Hein. Tu sais que moi aussi, je suis meilleur face aux grosses équipes plutôt que face aux petites. Je sais pas si on se met à niveau, si mentalement, tu vois, avec la manette en main. Je sais pas. Je sais pas du tout, mais là, l'épopée en Coupe de France, elle est extraordinaire. Hein. On avait fait une belle épopée aussi, souvenez-vous, sur FIFA 21 avec le Toulouse Football Club. Mais c'était Toulouse, tu vois. On avait Amin Adli, on avait Antiste, on avait Kelvin Amien. Enfin, on avait des joueurs quand même qui étaient 10 fois plus solides que les joueurs du Nano FC, hein, 1000 fois plus solides même. Calme, 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 tranquille, tranquille. Tranquille Granger. Et Granger, il mériterait le brassard de capitaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Tellement il est fort, il est incroyable. Elle est pas ouf cette musique un peu. Hein. Non. Oh non, c'était pas pour lui. Non. Cascade de chagrin sur mon visage. Allez, ça se fera au pénalty cette demi-finale. C'est vrai qu'on a grangé. Alors, il y a toujours peut-être le bug des pénaltys aussi. Hein. Et vraiment, je trouve qu'on leur a tenu tête. Hein. On a qui? On a Valentin. Mel Valentin sur le premier penalty. Après, on a marqué. J'ai fait sortir Mara, ça fait chier. On a Roland Varga qui, mine de rien, est quand même un joueur qui a de l'expérience. Fiola qui a de l'expérience aussi, même si on dirait qu'il vient de se faire quitter par sa femme. Regarde, il a le nez de travers, on dirait qu'il a pris une pêche. Et la lésion, on dirait qu'il vient de se lever. Il a encore un peu les pupilles rouges. Frère, tu vas pas au penalty avec cette tête-là, hein, parce que c'est sûr que tu le mets pas. Hein. Je pense que c'est Luke Wade qui va marquer le pénalty de la victoire en 6ème. Allez Val. Val, il en a marqué quelques-uns des pénaltys cette année. Hein. Parfait. Ça croise, c'est sûr. Kakuta, ça croise. Je te l'avais dit. Granger, c'est même plus que le Gout. C'est incroyable. C'est Tom Cruise. C'est Daniel Craig. C'est 007. C'est James Bond, c'est tout. Putain, je croyais qu'il n'y était pas. Corentin Jean, ça croise. Mais pourquoi ils font que des Panenka, ces trous de fion, là? Allez, Varga, tu peux tuer le match. Je crois que la voisine adore. Ah, le bug, le fameux bug. Kalimundo, ça ouvre. Pas du tout, ça croise.
On va bien la réveiller, cette pute aussi, là. Allez, Granger. Fofana, ça ouvre. Non ! Aïdara, ça ouvre. Yes, ça rate. Yes ! Yes ! La finale ! La finale de la Coupe de France. Ah, ça régale. Le Nano FC en Europa League, c'est écrit, les amis. C'est écrit. Ah, le pauvre Aïdara, ça me fait de la peine pour lui. Je sais pas ce qu'il a voulu tenter, là. Tire de balle trap aussi. Granger, mais qu'est-ce qu'il est fort, Granger. À la fin de la saison, il mérite une prolongation de contrat, lui. C'est un truc de ouf. Il mérite... Il mérite de venir chez moi et de dire « Je prends ça, je prends ça, je prends ça et je prends ça aussi. » Incroyable, il est trop fort. Il est trop, trop fort. Bah écoute, on aura tenu face au sang et or comme on a pu. Et on les a fait tomber. Putain, on fait une épopée, mon frère, en Coupe de France. Extraordinaire. Hein. Merci Yas de Paris pour ton follow, tu régales. Merci beaucoup. Merci à Belkebla aussi. Merci beaucoup. Stan, à ta santé. Merci à Léonard aussi pour le follow. On aura le vainqueur de Lyon-Nice en Coupe de France. Le Nano FC plus fort que les Herbiers. Je sais pas si on est calé, les Herbiers, qui vous voulez. Ah, désolé mon Kiki The Beast là, désolé. On n'était pas ensemble sur ce coup là, j'étais team Nano FC là. Ah, parfait, pour te répondre à nos Klos, oui, en gros, Dédé a dit qu'il suivait du monde à chaque poste et qu'il y avait potentiellement 5 joueurs par poste, d'accord. Ok. D'accord, ok, bon, moi je pense qu'il est plus méritant, plus impactant, plus intéressant que Léo Dubois dans tous les sens du terme, et à tous les niveaux, mais je ne suis pas sélectionneur de l'équipe de France. Ah, si on a un Nano FC Lyon en finale, extraordinaire. Je pense que avec tout le respect qu'on a pour l'Olympique Lyonnais, ou Nice, si c'est Nice, toute la France sera pour le Nano FC, hein, sauf nos amis lyonnais, évidemment, mais, ou niçois. Salut Cario, comment ça va? Un plaisir d'être sur ton live. Eh bien écoute, plaisir. Plaisir plus que partagé, cher ami. Le plaisir, il est d'abord pour moi. Qu'est-ce qu'il veut, Raphaël Lima? Frère, je sais même pas quitter. Raphaël Lima, brésilien, demande de transfert soumise. Mais casse-toi, on va pas te retenir, hein, on sait même pas quitter. Pourquoi t'as 62 notes? Parce qu'il nous demandait, souviens-toi, Xerox, d'être promu en Ligue 1 sans passer par les barrages. Il nous demandait d'être promu avec une accession cash. Accession directe, tu vois, tout en bas à droite de ton écran, Ligue 2, BKT, être promu automatiquement. Et en fait, on passe par les barrages. Après, j'avais une équipe à 2 étoiles et demie sur 5. Bon, t'es gentil, mais... Ah, dirigeant plus qu'ambitieux, ouais. Plus qu'ambitieux. C'est quoi, c'est aller-retour, du coup, les barrages? Ah non, c'est match sec. C'est match sec, a priori. Let's go. Quand tu vois l'apport du petit Gusto, ça te donne une idée du niveau de Debois. Ah non, mais on est ensemble de A à Z là, donc il shoot. À choisir, je préférerais voir un U17 à Lyon, et je te dis, je suis pas supporter de Lyon, j'ai rien à foutre, que Léo Dubois. Hein. Salut Nostra. Comment ça va Nostra? Ça fait plaisir que tu sois là, mon gars. Ça fait plaisir, tu régales. Moi je me demande comment ça fait pour chercher dans les potes. Ah, ça c'est une vraie question, mon filou. Ça c'est une vraie question. Écoute, de toi à moi, filou, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on se connaît. Ça fait 6 mois qu'on passe de nombreuses soirées ensemble sur les lives. On s'écrit quasiment tous les jours sur Twitter ou sur Insta. Pour des choses plus privées, des choses plus football, etc. Football. J'ai beaucoup de chance. Mais quand je te dis beaucoup de chance, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Pour rien au monde, écoute-moi bien, pour rien au monde, je changerai. J'ai énormément de chance à ce sujet-là. Elle me dit, tu fais ce que tu veux, tu fais de mal à personne. Si ça t'amuse, pas de problème, pas de souci. Et du coup, je suis... sur ça, je suis le roi du pétrole. Je pourrais pas être plus heureux. Parce que tu as des gens... Et on prend 3 minutes là avant de jouer un match vraiment, vraiment important face à Nîmes.
De toute façon, dans la vie, à chaque fois que tu fais quelque chose de différent, de hors du commun, sans que ce soit gratifiant, quelque chose de différent, tu es assez facilement jugé et tu es assez facilement pointé du doigt ou moqué. C'est une vérité et je peux te le dire parce que même moi, qui étais plutôt toujours bien placé, je te dirais, dans l'ascenseur social, mais un petit peu, plutôt bien au collège, plutôt bien au lycée, plutôt bien à la fac, pas de problème, plutôt bien dans mon club, plutôt bien au boulot, tout ça. Même moi, on est venu me voir en me disant, hein, les gros guignolus là, hein, c'est toi sur le téléphone, etc. Alors quand tu as 200 abonnés et que tu gagnes 8 euros par mois parce que tu as passé 25 heures à faire le même contenu que tu fais aujourd'hui, mais tu as gagné 8 euros, eh ben, ça te blesse un petit peu, ça te blesse. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus compliqué pour eux, pas pour moi, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'assume tout. C'est beaucoup plus facile pour moi à 30 ans de dire oui, c'est moi, il n'y a pas de souci. Bah, regarde, j'ai signé un partenariat avec eux, bah, je travaille avec EA Sports, c'est le jeu que ton fils il te demande tous les ans à Noël, etc. Et de suite, poum, les gens ils redescendent d'un étage. Alors tout le monde n'est pas comme ça, bien heureusement. Ça me fait rire parce que j'ai des parents au foot, c'est très bienveillant, qui viennent voir et me disent bon, Arnaud, on t'adore, mais on en a marre de t'entendre sur la télé du salon, hein, parce qu'on t'entend au foot, on t'entend machin. Ça, c'est mignon, c'est gentil. Mais il y a des gens qui sont très fermés d'esprit. Et c'est pour ça que très souvent, je vous dis. Si vous avez l'occasion de créer quelque chose, faites-le. Si vous avez une idée, faites-le. Si vous plantez, vous vous plantez, c'est pas grave, vous faites de mal à personne. Si demain vous voulez créer une chaîne YouTube, faites-la. Faites-la. Demain vous voulez vous lancer sur Twitch, faites-le. Parce que c'est comme ça qu'on apprend déjà. Et si vous le faites pas, vous allez retrouver comme un pecno à 30 ans, c'est-à-dire l'âge que j'ai aujourd'hui, à 10 ans. Putain, si je l'avais fait, peut-être que ça m'aurait bien plu. Moi je l'ai fait. On s'est un petit peu moqué. Le peu de gens qui se sont moqués, ils ont pris deux tartes dans la gueule. Et terminé. Mais aujourd'hui, tu vois, le grand vainqueur de cette histoire-là, je l'ai déjà raconté 10 fois cette histoire au travail, etc. C'est le grand vainqueur, c'est moi. Je suis heureux. J'arrive à gagner 4 ronds. C'est pas des milliards, mais j'arrive à gagner 4 ronds. Je me sens bien, je passe des bonnes soirées. Je fais de mal à personne. Les gens aiment bien le foot. Et s'ils sont là, c'est parce que bah, ils sont contents d'être là. En tout cas, j'imagine. Moi, je suis content d'être avec eux. J'ai tout gagné. Et j'ai fait de mal à personne. Donc, c'est pour ça que je vous dis. J'ai de la chance d'avoir une moitié qui me dit exactement ce que je viens de vous dire. Et voilà. Je l'ai dit, alors je le dis un petit peu plus maintenant. Moi, je suis. Il est grand, non, ça restera toujours un petit, mais. Moi, j'ai de la chance d'être beau papa. Donc, je ne suis pas son père, c'est OK. Mais par contre, genre, il faisait partie en France des premières personnes en France à jouer à la bêta de FIFA 22. Alors que le gamin, il a 14 ans, il n'a même pas 14 ans encore. Donc, et FIFA 22, il a la PS5 à la maison, le beau-père, il travaille pour... Donc moi, j'ai tout gagné. Voilà, je vous dis la vérité. Et tout ça n'aurait pas été possible si je ne m'étais pas fait confiance. Il n'y a pas de... Les pieds sur terre, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pas du tout la grosse tête ou quoi que ce soit. Juste, mon histoire, vous faites copier-coller et vous la copiez à vous. Ça sera votre version à vous, ça sera votre histoire à vous. Mais si vous voulez faire quelque chose... Nique les gens qui vous jugent, faites-le, 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 faites-le. Et si un jour je vous croise dans la rue, que vous m'arrêtez pour discuter 5 minutes et que vous me dites j'hésite à faire, non, n'hésite pas mon gars, fais-le, 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 fais-le. Voilà, c'était les 5 minutes que je voulais prendre sur ça. J'ai grave de la chance parce que Madame Nano, elle est tranquille, elle me prend pas du tout la tête, pas du tout, du tout, du tout. Elle est même plutôt fière. Hein. Écoute, entre le petit et moi, je pense qu'au foot, elle commence à maîtriser un peu. Mais bon, voilà, tu vois. Vous voulez faire quelque chose, faites-le, les amis. Faites-le, foncez. Vous en avez rien à foutre. Et c'est là où vous allez voir aussi les faux amis. Moi, mes potes, ils comprennent pas tout ça. Alors certains oui, mais pas tous. Mes vrais potes, je te parle, mes frères, pas mes frères de, mes frères de cœur, hein, je te parle. Ils me disent, fonce, fonce, tu vois. Je reçois des messages quasiment tous les jours des frérots de cœur qui me disent. Force, on t'aime, on se retrouve quand t'as fini le lancement de FIFA, etc. Je suis en congé, je vous dis la vérité, j'ai posé des congés pour FIFA. Et parce que c'est mon plaisir et parce que c'est important, tu vois. Et mes frérots, je vais les retrouver, je vous mettrai une petite story Insta avec eux. Je vais les retrouver, ça va me faire du bien de ouf, mais ils pipent pas tout, tout, tout à Twitch et tout ça. Ils savent juste que c'est important pour moi et qu'ils envoient des bonnes ondes, des bonnes vibes. Et bien écoutez, si moi par ce live et ces quelques mots, je peux vous envoyer des bonnes ondes et des bonnes vibes. Faites-le. Alors, j'ai pris exemple Twitch et YouTube, mais si c'est
faire un compte Instagram sur de la photo ou faire un compte Instagram sur voilà, votre rapport sur la nutrition et le fitness ou j'en sais rien, faites-le. Faites-le. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, les amis. But de l'Algérie, Slimani 5-1. Bon, ça déroule, ça déroule. Du coup, pardon, j'ai pas lu le chat pendant quelques minutes. Mais c'était important pour moi de vous dire ça et de répondre à toi, Filou. Parce que, voilà, Madame Nano, elle me dit, ben voilà, il y a du temps pour moi, il y a du temps pour YouTube, il y a du temps pour Twitch, il y a du temps pour toi tout seul. C'est un bon équilibre. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de chance sur ça. Et la vérité, c'est un plaisir que quand tu dis aux petits, ah ben oui, moi, ils m'ont déjà envoyé le jeu, hein, et que le jeu il sort dans 15 jours, les petits te regardent avec des yeux comme ça. C'est mortel, ça fait plaisir. C'est quoi là? C'est Nîmes ou c'est incroyable? Ou c'est Manchester United? C'est tout ce que je te souhaite, Rafma. Je te souhaite de réussir. Bah, mais je souhaite tous de réussir, les amis. Tous, tous, tous. Bon, allez, je me lance dans la bière. Eh bien, écoute, mon Kikizubi, si tu veux te lancer dans la bière, lance-toi dans la bière, cher ami. Lance-toi dans la bière. Après, croyez pas que tout est simple, hein. Le retour sur investissement, je préfère dire que tu l'auras jamais, en tout cas sur Twitch et YouTube, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui se lancent, pardon, que de gens qui réussissent. Mais c'est très compliqué à avoir un retour sur investissement. Moi, je vous dis la vérité, hein, mon premier boîtier de capture, genre, j'ai dû compter les pièces pour l'acheter. Et c'est pas une vanne, hein, vrai de vrai. Je l'ai acheté d'occasion. C'était même pas un boîtier full HD, parce que j'avais pas les thunes. C'était un boîtier en 720p. Les premières vidéos que j'ai tournées, j'étais même pas en 1080p, c'était en 720. Parce que le boîtier neuf, c'était hors de prix. Et du coup, il a fallu l'acheter d'occasion. Rendez-vous à l'aéroport avec le mec. Il me dit, ouais, t'inquiète. Et c'était bizarre. Il me dit, ouais, j'ai pris ça pour de la photo. Attends. Yes! Oh, le pétard qu'il a mis. Il me dit, j'ai pris ça pour de la photo. Je regarde, je fais pour de la photo. Il me dit, ouais, bah, tu le prends ou pas? Je dis, ouais, je le prends. Je sais pas, j'ai peut-être 21 ans, 22 ans. Pas beaucoup de thunes. Il me le vend 100 balles sur internet. C'était 250, je crois. Et le full HD, c'était 300 ou 399 à l'époque. Je sais plus. C'était très, très cher. Mais par contre, il faut se lancer, hein. Et derrière, il faut le matos. Derrière, aujourd'hui, si t'as pas la PS5, je vois mal comment tu vas faire des vidéos. Alors c'est possible évidemment pour se lancer, voilà, t'es pas obligé d'être au top top top, t'es pas obligé d'avoir. Moi je suis à l'arrache, hein. J'ai un micro qui est correct, j'ai ma PS5 mais je l'aurai acheté quoi qu'il arrive, j'ai une petite caméra, enfin, je veux dire j'ai pas du matos de fou fou fou, hein, donc c'est bien la preuve que vous pouvez le faire. Mais par contre il faut, genre ne faites pas YouTube et ne faites pas Twitch si vous avez 15, 16, 17, 18 ans quoi. Je pense que c'est, attendez déjà d'avoir bien fini vos études, parce que je pense que c'est d'abord la priorité. Et moi, voilà, je vous le dis, hein, je fais ça, mais j'ai un taf derrière. Je fais mes 35-40 heures par semaine. Donc, il faut pas que ça soit un. Il faut pas que ça soit une vocation financière. Surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Il faut pas que vous vous disiez, je vais tout claquer, je vais tout laisser tomber. Et je vais devenir youtubeur ou streamer. Non, là, c'est la pire des conneries à faire. Hein, pire, pire des conneries à faire. Faites votre trou. Chemin classique, les études, le boulot, etc., etc. Et quand vous avez envie de vous lancer et que vous pouvez vous lancer parce que vous avez l'équilibre qui le permet, faites-le. Si vous en avez envie. On part à l'assaut là. On part à l'assaut début de Nîmois. Je t'ai vu. Non, trop court. Remets, remets, remets. Ah! Voilà, après c'est très personnel ce que je vous dis, hein. Que nous dire le ciel, il faut se lancer, mais il faut le faire pour soi. Alors, mais moi, c'est, je l'ai toujours dit, je suis entièrement d'accord. Faites d'abord les choses pour vous, c'est pas être égoïste, c'est d'abord faire les choses pour soi. Parce que si tu les fais pour toi, t'auras pas d'attente en fait envers les autres. Moi, j'ai toujours fait les choses pour moi, et mon raisonnement, ça a été celui-ci, ça a été mes career manager, j'adore, FIFA, j'adore, c'est sûrement mon jeu préféré. Que je filme ou que je filme pas, je jouerai quoi qu'il arrive. Donc, essayons, c'est la vérité, essayons. Et pour le coup, je l'ai fait pour moi. Et je continue de le faire. Alors, je le fais pour vous. Et c'est peut-être le premier pas mal. Mais je le fais d'abord pour moi et après pour vous. Les vidéos, etc. Moi, je suis trop content de voir que les gens suivent, les gens commentent, les gens sont là en live sur Twitch et tout. Je suis trop, trop, trop heureux, clairement. Mais par contre, je le fais avant tout pour moi parce que ça me fait plaisir. Et je le fais pas parce que derrière, il y a des gens qui regardent. Il y a des soirs. La vérité, voilà, pour ceux qui sont là tous les soirs, il y a des soirs, on fait.
on fait 50, 60 subs, c'est arrivé, hein. Pas plus tard que... C'est quand? C'était lundi soir qu'on a live. Lundi soir, je crois qu'on fait 45 ou 50 subs avec les subs offerts, tout ça, c'est incroyable. Ce soir, il y en a peut-être 10, 15. Ça change rien à ma soirée. Rien du tout. En tout cas, dans le plaisir, ça change rien. Évidemment que t'es content quand les gens te soutiennent, etc. C'est pas la question. Quand t'es content quand il y a plus de commentaires dans une vidéo que dans une autre, c'est pas la question. Mais d'abord, je le fais pour moi, parce que je suis content de le faire. Merci Jésus Navas pour ton follow. Et merci à Jean-Paul aussi, merci à Alexis, merci à Thibou, merci beaucoup à Noas aussi. Merci beaucoup, beaucoup. Oh, JL Robin, pardon, j'avais pas vu ton sub. Excuse-moi, coucou Nano, comment ça va? Excuse-moi, j'étais parti dans un monologue sans fin. Et heureusement que tu m'arrêtes. Merci beaucoup pour ton sub, JL. 6e mois, tu te rends compte? 6 mois, JL. JL Robin, 6 mois, incroyable. Ah mais, hors le ciel, je pense qu'on se rejoint globalement sur toute la façon de penser sur le sujet. On est bien à mi-temps, 1-0 face à Nîmes. Ah oui, la réussite, ça ne doit pas être un objectif. Hein. C'est une conséquence, hein, comme il dit Hurle Ciel. Moi, demain, tu me dis... Et c'est vrai ce que je vous dis, c'est pas vraiment pour appâter de l'empathie ou etc. Demain, tu me dis, Nano, pour X ou Y raison, tu repars de zéro. Et je repars, mais feu à fond. Feu à fond. Je ferai exactement le même contenu. Peut-être même que j'essaierai, tu vois, dans la difficulté, on est toujours... Moi, je suis comme ça dans la vie. Et je pense que on l'est tous, cet instinct de survie. Dans la difficulté, on est toujours meilleur. Je ne sais pas pourquoi. On est toujours plus réactif, on pense plus vite, plus fort, mieux, etc. Demain, tu me dis, Nano, tu repars avec un abonné. Mais je repars. Mais tu crois que je vais arrêter? Mais bien sûr que je repars. Tu rigoles ou quoi? Et après, chaque histoire est différente. C'est pas parce que... que Michou il a percé en 2 ans là, parce que je prends lui parce que c'est un peu le gars à la mode, enfin qui est le gros qui a percé de ces dernières années. C'est parce que lui il a percé en vitesse grand V. Je me souviens, je cliquais sur ses lives Fortnite. Je sais pas quel âge il avait, peut-être il devait avoir 13 ou 14 ans. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce petit? Qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire lyncher au collège et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut lui dire d'arrêter, le pauvre. Il va se faire moquer de ça. Eh bien, tu sais quoi? Il a pas arrêté. Alors, c'était vraiment de la merde, hein, en soi. Vous pouvez lui dire, c'était vraiment, vraiment de la merde. Ses premiers lives, mais c'était un gamin. Aujourd'hui, le gars, il est en place. Et c'est très bien pour lui. Mais par contre, voilà. C'est une histoire. Combien il y a de chaînes YouTube qui sont créées depuis des mois, des années, qui envoient je sais pas combien de vidéos par semaine et qui sont à 100, 200 abonnés, 300 abonnés. Des mecs qui live tous les jours, qui ont 3 followers, dont un c'est eux avec leur téléphone portable. Voilà, c'est la réalité de la chose, c'est ça aussi. Ça, c'est la réalité de la chose. Et moi, vous le savez, alors, et je vous mens pas, hein, le nombre de fois que le lendemain, je commence à 8h et que je me lève et que je me couche à 2-3 heures du matin parce que je fais du montage, parce que je suis tout seul. Et parce que, bah après, je me l'inflige pas, hein, je le fais parce que j'en ai envie. Mais le nombre de fois que les années précédentes, sur mon seul jour de repos de la semaine, qui est le mardi, et je faisais 3 vidéos, je me levais à 9h, 9h30, c'était mon seul jour de repos. Je faisais des vidéos jusqu'à 16h, 16h30, après je partais au foot, et le mercredi, je repartais au travail. Et mon jour de repos, j'avais fait que des vidéos. Et le soir, eh ben, je faisais mon montage petit à petit, etc. J'ai niqué tous mes jours de repos de la semaine pendant, je sais pas, 2 ans, 3 ans, et c'était mon seul jour de repos. Et je faisais rien d'autre, c'est terrible, je ne faisais rien d'autre. Alors c'est une espèce de notion de sacrifice si vous voulez. Mais je vous le dis, avant de créer tout ça, la team tacticien, etc., il faut passer par des choses qu'il n'y a que vous qui pouvez endurer, qui pouvez, comment dire, la réussite, que ce soit sur Twitch, sur Internet, sur YouTube, sur ce que vous voulez, la réussite scolaire, c'est un combat de vous à vous, hein, c'est un combat avec vous-même, hein, c'est votre pire ennemi, c'est vous. Hein. Donc, fonce. Fonce, mon petit, fonce, va au bout. Oh là là, il est mort. Oh, il se le met. Il se le met, magnifique. Ouais, la réussite, ça se provoque. C'est sûr que si tu restes dans tes pantoufles, dans ton canapé, et que pendant des mois, des semaines, tu te dis « Je vais peut-être me lancer sur YouTube » et que tu le fais jamais, bah mon ref, fais-le, crée ta chaîne YouTube, bah, fais tes vidéos, fais un truc, fais quelque chose. Ne restez pas avec des regrets ou des trucs comme ça. Il vaut mieux que tu dises bah, « J'ai tenté, ça m'a pas forcément plu, mais au moins j'ai tenté », plutôt que de dire « Genre, je l'ai pas fait, et voilà. » Alors, je prends cet exemple-là, mais
Si vous êtes passionné de photos, si vous êtes passionné de retaper des meubles, j'en sais rien, je prends tous les exemples qui me viennent en tête. Mais faites-le. Moi, je pense que dans la vie, il faut avoir une passion. Il faut avoir des rêves aussi. Mais il faut avoir une passion. Moi, ma passion, aujourd'hui, c'est ça. C'est le football. C'est les gamins. Alors, toutes les générations sont différentes. On leur met le fuego. Hein. Ils sont passés, je pense, sur quelque chose de... Ah, il est mort. Et désolé, mais là, il n'y a pas de cadeau. Il est pas très beau, mais tant pis. Moi, ma passion, c'est ça. C'est les enfants que j'entraîne au foot. Parce que je veux leur réussite. Je veux qu'ils soient dans les meilleures conditions pour... Même si c'est des U13-1, tu vois. C'est du foot... Il n'y a pas plus haut dans mon département, mais... Je vais me mettre en 1000 morceaux pour qu'ils réussissent. En tout cas, dans ce domaine-là. Parce que c'est sur quoi je leur apporte quelque chose. Mais moi, ma passion, c'est ça. C'est le foot. C'est YouTube. C'est Twitch. C'est vous, la vérité. Mais allez, c'est décidé, je viens proxénète. Non, pas ça. Don Quichotte, pas ça. Il faut pas ça, ça c'est interdit. Oh non, il va nous faire dodo la saumure 2.0. Non. C'est pas ce que je voulais dire, t'as mal compris mon discours. Bonne nuit, bonne soirée. Salut mec. Salut Micar83, salut, bonne soirée à toi. Merci d'être passé, cher ami. Non, mais vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Ah, il y a un prix pour la réussite et il y a un prix qui n'a pas de valeur définie. C'est-à-dire que moi, le prix de ma réussite, il sera propre à moi. Toi, Emmanuel, le prix de ta réussite, il sera propre à toi. Ça sera tes difficultés, ton chemin, ta route, ton histoire. On est tous différents. Mais ouais, merci Riquette pour les changements, j'avais complètement zappé. Heureusement que tu me l'as dit. Mais voilà. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu moi, mais c'est mon histoire à moi. Je pense que vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai pas été satisfait, où j'ai dû refaire, ou le nombre de vidéos qui sont pas sorties aussi, je pense que vous pouvez même pas imaginer. Mais voilà. Et encore, je considère que j'ai pas du tout réussi. Hein. Pas du tout. Clairement pas. Hein. Si demain j'avais été numéro 1 du game sur FIFA, sur Twitch ou sur YouTube, je vous dirais sans langue de bois, je vous dirais, ah ouais, je pense que quand même... Je pense que quand même, j'ai une petite réussite quand même, je pense. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est grain de sable dans le Sahara. Hein. Mais, je maintiens, nous passons des bonnes soirées. Victoire 3-0 face au Nîmes Olympique. Nathan, si t'es toujours là, je t'embrasse, mon ami. On salue tous les Nîmois. Mais j'aimerais bien, Nîmes, tu vois, les revoir en Ligue 1, ça me ferait plaisir. Mais voilà. On va clôturer sur ça. Oh, le nombre de fois où le micro n'a pas fonctionné et que tu as enregistré pendant 1h30 une vidéo, tu mets la vidéo sur Final Cut Pro et t'es là, il n'y a pas de son. Nombre de fois que ça m'est arrivé ça. Et t'es là, tu fais, bon, ben, je suis baisé parce que... Heureusement, mais ça m'est arrivé quelques fois. Du coup, moi, je suis sur double sauvegarde. Je vais vous montrer là. Je suis sur double sauvegarde. Comme ça, au moins, ben, et c'est arrivé un nombre de fois, je ne vous l'ai jamais dit, mais c'est arrivé un nombre de fois incalculable par le passé. Là, sur l'année du cœur, des clubs de cœur et tout ça, sur FIFA, même 17 avec Tottenham, le nombre de fois en fait que tu arrives à la fin d'un épisode, tu te rends compte qu'il n'y a pas de son, tu recharges la deuxième sauvegarde sur laquelle t'as pas sauvegardé dessus, t'as pas écrasé, et tu recommences un épisode. C'est un truc de ouf, ça veut dire que c'est plus du tout la même chose, mais tes victoires, c'est plus forcément des victoires, c'est un bordel monstre dans la tête. Et alors, je vous montre, et vous avez une petite surprise, comme ça vous le voyez, j'ai créé une carrière joueur. Ça arrive bientôt, les amis, ça arrive bientôt, c'est voilà. J'avais complètement zappé que j'avais créé ça. Enfin, j'avais zappé. Je pensais pas que vous alliez le voir. Donc du coup, regarde, j'ai toutes mes carrières. Liverpool x2, Inter x2, Hoffenheim x2. Nano FC, il n'y a qu'une seule sauvegarde. Parce que du coup, derrière, je l'ai fait le 4 octobre. Donc je sais pas quand est-ce que c'était le 4 octobre. C'était il y a 4 jours. J'ai créé une carrière joueur. Je vous en dis pas plus. Ça arrivera bientôt. Voilà. C'était pas prévu de vous l'annoncer ce soir. Mais ça arrive. Ok, match contre Dijon, ce coup-ci. Allez, on a fait un tiers de la route, messieurs. Un tiers de la route. Quelle heure il est? 23h. Un tiers de la route. Il nous reste Dijon. Et voyons qui c'est, du coup, le barragiste de Ligue 1. Ah, si ça peut être Lorient. Ah, finalement, c'est Paris qui a été champion, vous voyez. Paris qui a été champion. 100 buts, ils ont marqué. C'est insultant. C'est Clermont. Eh, c'est bien. Ah, Brestois, ils ont fini dernier, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ils n'étaient pas 17e? Il y a un bug là, c'est pas possible.
Et même, c'est pas possible. Paris, ils peuvent pas finir avec 101 points. Lyon était premier. Il y a un truc qui est pas bon, là. Il y a un truc qui est pas bon. On a regardé, il y a... À la 37e journée, c'était Lyon qui était premier et Paris qui était deuxième. Ah, c'est un bug, on est d'accord, c'est un bug. C'est impossible. Puisque Lyon était premier à la 37e journée. Donc, il peut pas avoir 101 points à Paris, c'est impossible. Je pense que l'algorithme, il a dû se dire, le jeu, il a dû jamais regarder une seule fois des autres résultats. Je te lui remets un tirage aléatoire, terminé. Donc ça sera Clermont. Ce qui m'arrange en soi, je vous le dis, ça m'arrange. À la différence de but, ça aurait pu être Metz aussi. Metz, ça m'aurait pas fait plaisir. Ah, c'était un vrai bug connu, ça, les classements aléatoires chaque mois. Attends, je me le note, parce que pareil, à tout moment, je te l'aurais dit. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a fini une saison, parce que nous, on fait pas de simulation. On fait que jouer tous les matchs. Je me le note, ça. Parce que peut-être que je peux faire la remontée. Bug classement. Fin de saison. Je me le note, j'enverrai un petit message, dans le doute. Allez, c'est parti. Allez, on attaque le 2 sur 3. Oh putain, merde, ils sont... Mais ouais, ils se sont reposés, ces bâtards de 10 journées, là, aussi. Ils se sont reposés pendant que moi, j'étais en train de me farcir. Ah, fait chier. Pendant que moi, je me tapais Nîmes, eux, ils étaient au spa, là, aussi. Fuck. C'est une anneau. Salut, Noé, comment vas-tu, cher ami? Da fuck. Bon, c'est maintenant, les mecs, hein. Putain, je me suis fait rincer la coquille. Je suis deg. Let's go. Match contre Dijon. Ah ouais, ça pique, hein. Monsieur Nano, tu vas bien? Ça va et toi, Dimitri? Ça fait plaisir de te voir. T'inquiète, même au repos, ils savent pas mettre un pied devant l'autre. On va voir, Anaël. Merci à Bexley TV pour le follow. Merci beaucoup. Merci à Medun Diop aussi. Merci beaucoup pour le follow. Ça régale. Merci. Bonne chance pour la montée. Merci. El Flaco. Merci beaucoup. On est au deuxième match sur trois. Et après, on jouera du coup. Magnifique ça. C'est beau ça. C'est nouveau ça aussi. C'est très beau qu'on prenne des joueurs. Un peu moins des Ronaldo, des machins, etc. Qu'on ait un petit peu des joueurs de... Alors je doute qu'à Dijon, un jour, ils nous sortent un tifo comme ça, mais... Tu penses live jusqu'à quelle heure? Je sais pas, je pense qu'on va faire, pour être honnête avec toi, on fait ce match. J'espère qu'on va le gagner. J'espère qu'on fait le match de barrage de Ligue 1. J'espère qu'on va le gagner. La finale de la Coupe de France. Et après, je pense que j'irai au lit parce que... Oh, on a Jonathan Panzo face à nous, l'ancien de l'AS Monaco et de Chelsea. Et après, je pense que j'irai au lit parce que demain matin, je me lève très tôt pour aller au foot. Première journée de championnat avec les petits. J'essaie de venir quand je peux. Bah, merci Dimitri, merci beaucoup. Oh, il y a Baptiste René en face. Merci Loulou, moi aussi je t'adore, cher ami. Ça tombe bien, j'arrive pas à écrire devant le live. J'essaie d'écouter les choses intéressantes qui sont partagées dessus. Pas de soucis, hors le ciel, pas de soucis. Bonne nuit la team, bonne nuit le Taïwanais. Bonne nuit cher ami, j'avais même pas vu que t'étais là, excuse-moi, je t'ai pas dit bonjour. Qu'on fumait la moutarde de Dijon. Ah, je pense que si tu fumes la moutarde de Dijon, ça va pas être terrible au niveau du gosier. Pourquoi deux sauvegardes pour chaque carrière? J'ai expliqué tout à l'heure, Max. Le nombre de fois quand j'étais plus jeune que le micro n'a pas fonctionné, bah du coup t'as une deuxième sauvegarde et ça te permet de recharger et voilà. J'ai tendance à sauvegarder après chaque match, c'est pour ça. Et le problème, c'est que quand tu fais une vidéo de 1h30, bah, du coup, tu te rends compte que bah, y a pas de son. C'est un peu problématique. Déjà, je sens que c'est un peu plus... c'est un peu moins frileux que... Que nos amis de Nîmes. Aïe aïe aïe. C'est comment la création de club? C'est mortel, Dimitri. C'est vraiment mortel.
C'est une année où je suis surclassé en U15 alors que j'ai que 13 ans. Fais attention parce qu'à partir de 13, 14, 15 ans, les croissances se font. Alors je sais pas combien tu mesures, cher ami, mais tu peux être très très intéressant footballistiquement, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais par contre, derrière, il faut l'apport physique, surtout sur grand terrain. Si t'es en U13, t'es encore sur du foot à 8. Et demain, tu joueras du coup sur du foot à 11. Les placements sont pas pareils, la gestion de l'espace n'est pas pareille. Après, on est avec toi, cher ami, hein, mais... Il faut que je mette ma musique, je le sens. T'es coach de quel âge? U13-1, cher ami, U13-1. Il faut que je mette ma musique à fond. Je le sens. Je sens que ça va me servir. Je mets le son un peu plus fort, c'est volontaire. J'ai besoin d'égaliser, ok? La musique va être très forte. Très forte. Va être forte. Ça va me donner des ailes, vous allez voir. Parce que bon, si je sors en finale de barrage de Ligue 2, je ne serai pas très positif. Allez, mes petits loulous. Bien joué, Granger. Bien joué, bien joué. Opposé. Allez, c'est parti, ils sont chauds là. Je sens qu'ils sont chauds. Papeno là. C'est mon défenseur central qui est aux abords là de la surface. Incroyable. Que vous avez des chansons signature, quand vous l'entendez, vous vous dites il peut rien m'arriver où je suis le meilleur. Mais évidemment, Rafma, évidemment. Alors là, malheureusement, sur Twitch, on a les DMCA, on peut pas mettre. Mais moi, j'ai des musiques où quand je les mets, quand je les écoute, mais genre, j'ai l'impression que je suis le roi du pétrole, alors que je suis le roi de rien du tout. Mais j'ai l'impression que je suis le roi du pétrole. Je t'ai vu, point de pédo, je t'ai vu. Suce ta mère, René, vraiment, suce ta mère. Salut Mohamed, comment ça va? Tu mesures 1m64 pour un U13? C'est pas mal. Et merci à Kiki07 aussi pour le follow. Merci beaucoup. C'est quoi vos musiques signatures à vous? Je suis curieux de savoir, tiens. Oh, y'a faute, y'a faute, y'a faute. Frère, y'a faute, y'a 10 fois faute. En vrai, y'avait pas trop faute, mais ça m'aurait bien arrangé quand même. Bien joué, Granger. Putain, c'est dur, hein. Moi, c'est Imagine Dragon 0. Secret de Tiesto. Ah, c'est pas mal, hein, y'a des bons sons, hein. Ouais, Vendish Rebellion, ok. Bilal et Mysterio, ok, ok. Moi, c'est rien de spécial de Népal. Quand je l'écoute, je suis détendu et sûr de moi. Il y a des chansons comme ça qui t'apaisent, qui te mettent bien, qui te mettent en confiance, mais en confiance tranquille. Moi, je parlais de musique vraiment qui te transcende, où vraiment, t'as l'impression que tu pourrais jouer la finale de la Coupe du Monde, tu marquerais un but, c'est sûr, tu vois. De SCH, elle veut Matrix aussi. Ah, Gangsta Paradise de Colio, c'était quelque chose ça aussi. Hein. Vous avez des bons classiques les mecs, c'est cool.
Moi, j'ai 13 ans, bientôt 14, je suis en U15 et je mesure 1m42. Tu vas encore grandir, cher ami. Pop Smoke. Ah, il y a des musiques comme ça, elles te... Moi, je peux pas. J'aimerais bien vous en faire écouter, mais je peux pas à cause de des droits d'auteur sur Twitch. Putain, faut que je libère avant. Je suis naze, moi aussi, hein. Congrès, c'est Daniel Congrès, 57 ans, footballeur. Caris Bousson de Liège. Ah, Caris, c'est vrai que des fois, il peut te mettre dans un état aussi. Il a 2-3 sons très très sympas, Caris. Bien joué, ça. Allez, je l'attente. Oh là 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 là. Hôtel California des Eagles. Ouais, c'est pas mal aussi. Favori pour le Ballon d'Or. Pour moi, Lewandowski. Après, c'est pas moi qui décide. Bon, tu sais quoi, on va tenter le tout pour le tout. C'est compliqué, hein. 21 pilotes, ouais, c'est pas mal ça aussi. Ils ont des bons sons, eux. C'est maintenant, hein, les petits loups, si vous voulez égaliser. 64e minute de jeu. Je vous avais pas menti, je vous avais dit que ce serait compliqué d'aller à la Ligue 1. C'est pas en jeu, lui. Il est pas en jeu. Cette passe de malade qui lui met, frère. Non, pourquoi il perd le ballon, ce clébard, là. Oh là 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 là. Il est rincé, il est complètement rincé. Et j'avais armé ma frappe, hein. Vrai de vrai, j'avais armé ma frappe. Il lui met un ballon, l'autre laisse tomber. Oh, c'est un... Après, il court depuis 60 mètres aussi. Qu'est-ce qu'il fait? J'avais armé ma frappe, hein, à ce moment-là, là. Il a plus de jus, il a plus rien, là. Il est pressé comme un citron, là. C'est une limonade, le type. D'ailleurs, faut faire les changements, là. 70e, là. Il faut qu'il soit effectif, parce que sinon... Je t'ai vu. Non. Go to Gospel de Tupac. Ah, Tupac, c'est quelque chose qui... Le BU va faire un malaise. Ah, mais le BU, il est mort, hein. Là, il est... C'est pour ça qu'il sort d'ailleurs. Allez Mara, c'est maintenant. Pressez plus haut. Pressez plus haut, pressez plus haut. C'est maintenant engrangé. Je pensais pas qu'il allait me piquer le ballon. C'est fini. Muscle ton jeu, Robert, hein, on est d'accord. Hein. Ah, c'est fini. Je pensais pas qu'il allait la piquer. Terminé.
Terminé, patron, terminé. Aïe, 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 aïe. Ah, ça m'aurait pas déplu que ce soit aller-retour, là, tu vois. Je crois que le match de Ligue 1, par contre, il est aller-retour. On va se taper une saison de plus en Ligue 2. Allez, joue vite, joue vite, joue vite. T'es hors-jeu, t'es hors-jeu. T'es hors-jeu, mais tu viens de rentrer, mec. Comment tu peux être hors-jeu? Faut que tu restes lucide. Hein, faut pas baisser les bras, mais là, le deuxième but, il nous fait mal, hein. Après, avec une équipe à 2,5, je vous dis la vérité, en ultime, j'étais pas intimement convaincu qu'on serait promu la première saison. Écoute, ça servira de transition. Aïe, 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 aïe. On aura toujours la finale de la Coupe de France, mais... Ce marat de merde, là, fait chier. Bisous mon filou, bonne soirée, et la bise aussi à Madame Filou, évidemment. Ah là 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 là, c'est pas que Mara, non on est d'accord, c'est pas que Mara, mais s'il était parti dans un bon tempo, peut-être que ça aurait remis un petit peu de peps dans notre fin de match. Il n'y a rien à dire, hein. 2-0, il n'y a rien à dire, il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Terminé. Terminé. Le barrage de Ligue 1 se fera entre Dijon. Je vous l'avais dit. Hein. Dijon et... Et qu'est-ce que j'avais dit? Et Clermont. Terminado. Terminado. Aïe, 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 aïe. C'est frustrant d'échouer si près. Voilà. Mais après, c'est le jeu. Enfin, je veux dire, si on avait eu l'assurance de monter en Ligue 1, autant vous que moi, on aurait peut-être... Changement. Eh ouais, là. Et t'imagines, vrai de vrai, imagine on se fait virer. Ce serait pas impossible, hein. T'imagines, je me fais virer moi du Nano FC. T'imagines, je me fais virer du Nano FC. Ce serait affreux. Le classement est respecté finalement, exactement. La saison prochaine, patron de la Ligue 2, c'est obligé. Je l'espère. Je l'espère, Gogo-chan. J'espère que tu as raison. Après, on a la finale de la Coupe de France. Ce serait extraordinaire. On passerait une bonne saison, je pense, si on avait au moins l'Europa League. Mais il faut aller gagner contre l'Olympique Lyonnais. Et... Écoute, on a au moins une finale de Coupe de France à jouer. Ça va être très, très compliqué. Hein, mais dehors, Nano. Mais non, Jojo. Calmos. Calmos, calmos. Une étoile, une équipe à 2,5 étoiles. Tu finis 4e. Je vais pas te dire que c'est honorable, respectable, mais bon. Merci Nelio97 pour ton 6e mois dans l'équipe. Onano, quel plaisir de te voir en live. Continue, tu gères. Merci beaucoup, mon ref. C'est adorable. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour ce gentil message. Ah, contre Lyon, c'est ce que je vais faire, hein, Gustavo. Je vais reculer, 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 reculer. Et voilà. En fait, j'aimerais avoir un football offensif, intéressant, etc. Impossible. J'ai des joueurs à 65, 70 de général. Ils ont des joueurs à plus de 80. C'est impossible. Heureusement, il n'y a plus Memphis Depay. 6-1 pour l'Algérie. Putain, c'est bien. Non, est-ce que tu peux regarder qui a gagné la Champions League? Si tu veux, si tu veux. Je vais mettre le bus. Oui, il y a de fortes chances, Hurleciel. Il y a de fortes chances que je mette le bus, ouais. Des changements de compo. À part la combativité, je vois pas sur quoi on peut miser dans ce match-là face à Lyon. Parce que mine de rien, c'est la meilleure équipe qu'on va affronter sur cette carrière manager. Je rebaisse juste un petit peu le son. Oh, quoique, non, on va laisser le son comme ça. Pour la simple et bonne raison que Montpellier, bon, c'est intéressant. Sa deuxième, c'est intéressant, mais... Rome ne s'est pas fait un jour. Par contre, la saison prochaine, j'espère qu'on monte en Ligue 1, hein, si on n'est pas viré. Ah oui, c'est sûr qu'on va mettre le bus. C'est quasiment sûr qu'on mette le bus.
Merci à Nayli pour le follow et à Potin pour le follow. Merci beaucoup. Tu sais que tu peux simuler automatiquement les entraînements en appuyant sur R2. Moi, j'appuie sur R3 pour simuler les entraînements. Ça veut dire que t'es qualifié pour la Coupe d'Europe. Pourquoi ça? Pourquoi tout ce cas? Lyon a gagné l'Europa League ou quoi? Oh, ce serait extraordinaire. C'est quoi que vous voulez voir du coup? C'est le vainqueur de la Champions League, c'est ça? J'ai pas accès. Je peux pas voir, j'ai que les championnats, je peux pas voir. Je l'ai pas là, la Champions League. Ah, ici, pardon. Europa League. Attends. Si Lyon a gagné l'Europa League. Ah, mais non. Et non, 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 non. Si Lyon gagne l'Europa League, ils vont en Champions League. Ah, mais non, mais du coup. Comme je suis en finale contre Lyon. Mais si, je suis sûr d'être en Europa League, du coup. Oh, incroyable. C'est incroyable, je suis sûr d'être en Europa League. Avec mon club de Ligue 2 de merde, là, je suis sûr d'être en Europa League. Heureusement que Lyon a fait le taf contre la Real Sociedad. Lyon ira en Champions League. Et donc, du coup, on est sûr d'être en Europa League. Incroyable. Et oui, qu'on gagne ou qu'on perde, on est sûr d'être en Europa League. Puisque la Coupe de France, la place est qualificative en victoire en Europa League. Donc, c'est... Oh, c'est incroyable, le Nano FC en Europa League. Alors, on ne montera pas en Ligue 1, mais on aura l'Europa League. On va se faire découper le cul, ça va être extraordinaire. Allez, go. Ça m'allège un petit peu le cœur dans la non-montée en Ligue 1. Ils ont acheté Jovic, c'est pas mal. Awark a créé. Tu vois, on parlait de Dubois tout à l'heure. Même Dubois, il joue pas, c'est Tavernier qui joue. Enfin, ils ont acheté Tavernier. Allez, go. Vous êtes sûr que c'est le cinquième de Ligue 1? Ah, c'est peut-être moi qui me craque le slip, alors. Ah, c'est peut-être moi qui me craque le slip. Et je sais pas, tiens. C'est une vraie question, je sais pas. Il faut que je gagne. Ah, merde. Je me suis enflammé, là. Je pensais que comme ils avaient gagné l'Europa League, eux, leur place en Europe, elle était attitrée déjà en Champions League, et que par définition, l'Europa League, elle me revenait à moi. Mais c'est peut-être donné à un autre de Ligue 1, du coup. Genre le sixième de Ligue 1. Ah, vous avez peut-être raison. Alors, il faut que tu gagnes. Hurle-ciel est formel. Quand il utilise ce mot, généralement, c'est pas rigolo. Quand il est formel, il est formel. Donc, il faut qu'on gagne. Mais par contre, on est bien d'accord. Si on gagne, on est en Europa League. On est bien d'accord avec ça. Alors pourquoi je me mets bas et pourquoi je resserre sur mes buts? Le fait d'être bas, déjà le fait de protéger mon but, je laisse mon but, mes cages, je laisse en fait l'espace de libre, mais par contre je densifie devant mon gardien et je fais bloc en fait, le fameux parc de bus. La profondeur, je vais jouer avec une défense très basse, parce que moins il y a d'espace dans mon dos, moins il y a possibilité de me transpercer. Donc en fait, si je joue avec une défense qui est très 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 haute, ben, comme ils ont des joueurs forcément beaucoup plus rapides que moi, plus il y a d'espace dans mon dos, plus je me fais transpercer de loin et plus je suis mort. Alors que plus je suis bas, moins je laisse la possibilité de démarrer en fait. Voilà l'explication. Donc on va jouer une défense très basse et très resserrée. Et derrière, j'hésite entre un long ballon. Ça veut dire que mes joueurs ils feraient un appel de loin. Mais quoi qu'il arrive, mes joueurs sont offensifs, sont moins rapides que les défenseurs adverses. Ça c'est sûr et certain. On ne va pas exploser sur les côtés. On va rester sur quelque chose d'assez assez resserré. Et assez dense, assez compact. On va rester sur un 4-4-2. Même un 4-4-2, je te dirais, un 4-4-2 losange resserré, c'est peut-être même encore mieux. Je pense que c'est même encore mieux de jouer comme ça. On va rester comme ça. Ah, les côtés, je leur laisse l'espace des côtés autant qu'ils veulent, hein. Ah oui, là, c'est un peu mode Mourinho activé, ouais, c'est un peu... Bonne nuit, Pierre. Je suis de tout cœur avec toi demain pour tes débuts au POFC, cher ami. Je suis de tout cœur avec toi.
Allez, c'est parti. Finale de la Cup de France. Voyons déjà un bon moyen sur le jeu de savoir à peu près comment c'est en face. Tu le vois vite si t'es pressé par plus de un joueur. Non, c'est pas le cas. Ok. Je sais pas du tout leur animation en fait, c'est ça qui est terrible. Après, il faut jouer au foot, hein. On va pas non plus rester dans notre camp pendant 90 minutes. Et c'est là où c'est compliqué, tu vois. Récupération de Kakré, ça joue direct avec Jovic. Bien joué, Mas. Bien joué, mon petit. Mara va rester un peu plus haut. Et on a cette capacité à être bon contre les grosses équipes. Tu vois, Dijon, tu prends 2-0. Après, Luka Jovic, c'est solide hein, quand même, hein. Bien joué! Bien joué, Granger. Sors de là. Yes! La passe qu'il lui met, mon pote! Oh, la passe, elle est folle! Entre les deux défenseurs centraux, boum! Granger qui nous sauve et Mara qui met le but. Ça, c'est un match qui est diffusé sur France 2, ça. Hein. Ça vaut rien, c'est sur France 2, ça. Hein. La technique de racrever par contre, récupération, arrêt de Granger, récupération, je sais pas qui c'est, je me demande si c'est pas Mas, le ballon entre les deux défenseurs centraux de Lyon, ils ont fait comme ça. Ils ont fait, mais il va trop vite lui. Allez, la concentration, c'est important. Le joueur Iniesta, ah ben la passe qu'il met, elle est régalade la passe qu'il met, régalade, régalade. Et puis il faut qu'on soit revanchard aussi, merde, le match de Dijon, il est en travers de la gorge aussi. Hein. Tranquille Granger, tranquille, ça sort. Tranquille. Et là je fais la passe à 10. Allez, je te la mets, tu me la mets, je te la mets, tu me la mets, je te la mets, tu me la mets. Hop. C'est le match de votre vie là. Hein. Et qui plus est, on va avoir un peu de la caillasse aussi si. C'est surtout ça qui me fait peur, c'est la perte de balles. Après, si je perds le ballon dans leur camp à 65 mètres, 70 mètres de mes buts, ça me gêne pas. Si je perds le ballon à 30 mètres de chez moi, c'est un peu plus compliqué. Oh, j'ai jamais autant si bien joué, je crois. Oh là, hey, Mara il fait le match de sa vie. Hein. Comment tu fais le geste technique? Je te la prends après si tu veux, avec plaisir. Je te la prends après avec plaisir si tu veux. Je sais lequel tu parles. Oh, le pressing de Mara. Vous avez vu le pressing de Mara? Oh, le pétard qui met, imparable. Imparable le pétard qui met. Game time, baby. C'est parti. 2-0 contre Lyon, ça n'a ni queue ni tête ce match. Ah merde, je vous ai pas mis le son depuis tout à l'heure. My bad. Et ils sont un petit peu plus haut là, tu le vois sur le radar. Tu le vois sur le radar, ils sont un petit peu plus haut.
Ah, pour le coup, là, c'est la magie de la Coupe de France. Hein. 2-0 à la mi-temps. 2-0, incroyable. Ah, Anto Lopez, là, il doit l'avoir à mer, je pense. Hein. C'est 45 premiers. Attention. Attention, je veux pas non plus. T'en es bien, quoi. Ça fait plaisir. Tu te rends compte, on a la possession. On n'est pas capable de battre Dijon, mais on est capable d'en mettre deux à Lyon. Ça m'a surexcité le cerveau, ce match. La Coupe de France fait des miracles, exactement. On est bien d'accord. Après, je les trouve un peu... Je trouve un peu frileux, moi, nos amis lyonnais. Hein. Ils ont Jovic, ils ont des joueurs comme Cacré, etc. Ils ont Aouar aussi. Aouar milieu côté gauche. J'aurais plus vu en 10 ou dans un 4-3-3 en 8, mais... N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Il m'a donné fin ce match, j'ai la dalle. Tranquille Granger, tranquille, mets-toi au sol, voilà, mets-toi au sol, tranquille, on perd du temps, tranquille. Granger, homme du match. Ça régale, ça fait plaisir. Non, j'ai eu peur. Oh, les troncs d'arbres qui s'envoient des fois. Quand tu joues à l'opposé sur une passe classique, ils s'envoient des... Vraiment des troncs, les mecs. Hein. Je la tente. Désolé, je suis un peu frileux dans la façon de jouer, mais... Tant que j'ai la maîtrise, je suis pas trop inquiété. Un bon petit chèque. Ah, il y a... Ah. Sujet glissant, mais j'ai peut-être donné un petit chèque. J'ai peut-être donné un petit chèque à monsieur l'arbitre. Ou peut-être que l'arbitre, c'est Stéphanie Frappard aussi. Hein. C'est pas impossible. Hein. Après, l'arbitre, globalement, il a pas trop de soucis depuis 64 minutes. Bon, des gens qui perdent 2-0, je les trouve pas très excités à la récupération du ballon, hein, si vous voulez mon avis. Jamais je dois centrer là, faut que je la garde. Et De Vos, c'est mon gars sûr aussi, hein, c'est mon meilleur joueur en termes de général. Faire des changements. Ligue 2 plus Europa League, va falloir suivre, ça va être ouf. Ça va être n'importe quoi. Et ce changement de dispositif est plutôt sympa, je trouve. Di Liberto va rentrer à la place de... J'hésite. Valentin, il a 2 étoiles de geste technique, c'est affreux. Allez, on finit comme ça. C'est qui le coach? Claude Puel? Ah, Claude Puel, c'est vrai qu'il galère là, Saint-Etienne. Hein. C'est le problème de ces gens qui se renouvellent pas. Tu vois, c'est pas parce qu'il est en réussite, que ce soit à Nice ou que ce soit à Lille, où il est tenant du titre, avec cette équipe-là, mais c'est vrai qu'ils avaient mis Lucas Paqueta sur le banc. Tu vois, ils m'ont pas respecté aussi. Bien joué, Granger, il la touche. Granger la touche. Il est extraordinaire, ce mec. Si je le rencontre en vrai, je lui fais un bisou, c'est sûr. Bon, il existe pas, c'est dommage, mais... Il la touche, hein. Mais un mec comme Galtier, tu sens qu'il se renouvelle, il se questionne, il se... Ah, ça se joue au Parc des Princes, la finale. Il se questionne, il se renouvelle, tu vois, il essaye de jamais rien prendre pour acquis. Tu sens que ça bosse, tu vois, et je me permets parce que j'ai lu plein de choses sur lui. Mais des mecs comme Claude Puel, etc., j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils font la même chose, quoi. Ils sont toujours avec les vieilles méthodes et tout, là. Sors de là, petit, sors de là. On fait entrer Kadewere aussi. C'est qui ce neuf là, Antonio? C'est une anneau, je suis de retour. Yo, comment ça va? Comment ça va mon ami? Mon ami Showcase, comment ça va?
Camboré, pareil. Mais voilà, pareil, Gustavo, c'est un très très bon exemple que tu donnes aussi. Je comprends pas ces gens qui se renouvellent. Il est beau quand même le Stade des Princes. Qui se renouvellent jamais. C'est un truc de ouf. Après, l'avantage, tu vois, Grandjean regardera, si tu veux, à la fin de la saison. Hors notation boostée avec le tranchant, si tu veux. Je crois qu'il a 85 de réflexe en gardien. Pour un gardien de Ligue 2, 85. Alors après, il a que 74 de gêne, hein. Mais il est nul en dégagement, il est un peu nul sur certaines notes. Mais en réflexe, en tout cas, il a 80 hors tranchant. Je crois qu'il a 80, 84, 85, un truc comme ça. Plus 5 en tranchant, il a quasiment. Ouais, il a un truc de ouf, quoi. Il est trop fort, en note de réflexe, il est trop fort. Il est nul en dégagement, je crois. Je crois que c'est ça, il a genre 72 en dégagement. C'est gagné, hein. C'est gagné, hein. Alors après aussi, je rappelle que je suis en gardien semi. C'est-à-dire que c'est moi qui lui dis de plonger avec le timing. Là, à ce moment-là, c'est moi qui mets un coup de joystick avec le joystick droit. Et d'ailleurs, je vous conseille tous de jouer en gardien semi, hein. C'est tellement plus fort, c'est tellement plus. Ça fait des années que je suis comme ça. C'est tellement mieux, tellement, tellement mieux. C'est-à-dire que c'est lui qui se place, mais par contre, c'est toi qui déclenches le plongeon, l'arrêt réflexe. Et là, par contre, si t'as un peu de bon réflexe, de jugeote, etc. Allez, dégage. Yes! Messieurs, nous avons gagné la Coupe de France. La France. Et la Coupe de France. Alors, on perd 2-0 contre Dijon, mais on gagne 2-0 contre Lyon. C'est aussi ça, la beauté du Nano FC, de la Coupe de France. Ah putain, j'ai envie de champagne. Ah, ça régale. Ligue 2 et Europa League. C'est du jamais vu, hein. C'est magnifique. On sera en Ligue 2 la saison prochaine, mais en Europa League. On va se faire secouer le cornichon, ça va être terrible. Ça va être terrible, terrible. Premier trophée, ouais. Alors, et je sais pas, tu vois, je me pose la question. Financièrement, il vaut mieux être en Europa League qu'en Ligue 1, je pense. Mais est-ce que j'aurais pas trop. Je sais pas, c'est vachement dur à répondre à cette question. Est-ce que j'aurais troqué mon trophée de Coupe de France, pardon, de Coupe de France, pour une montée en Ligue 1? C'est une vraie question, ça. Est-ce que tu vas refaire les maillots? Bon, après, moi, je les aime bien, ceux-là, mais si vous voulez qu'on change, on change. Le premier trophée. Ah, ça régale, hein. Eh, je crois que t'as raison. À mon très, très bonne mémoire, il me semble que Guignon, dans les débuts des années 2000, ça doit être 2000, 2001, 2002, 2003, quelque chose comme ça, est en Coupe d'Europe et en Ligue 2. Je crois que t'as raison, à mon très, très bonne mémoire. Ça me parle. Cette histoire de Guignon, ça me parle. Merci Pumba TV, merci beaucoup, ton premier mois dans la team tacticien. Je lève mon pouce pour toi, mon ami. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci Pumba pour ton sub, tu régales. Le Nano FC a plus de trophées que la Belgique. Ah ben j'ai une Coupe de France. En tout cas, de trophées internationaux, j'en ai zéro. Mais au moins j'ai une Coupe de France. Oh, ça régale le Nano FC en Coupe de France. Imagine cette histoire-là en vrai. Le Vin Sky FC qui gagne la Coupe de France. Ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire. Merci beaucoup, Pumba, tu régales. Merci beaucoup, cher ami. L'Europa League, c'est mieux que la Ligue 1. Ah, je me pose la question, tu vois. Est-ce que j'aurais pas préféré être promu en Ligue 1, mais ne pas être en Europa League? Alors là, ça fait une alchimie qui est spéciale, tu vois. Ligue 2, l'année prochaine, on va jouer évidemment le titre. La première saison, c'est compliqué, tu vois, parce que. Parce que bah, une équipe à 2,5 étoiles, on va recruter, on va avoir de la thune, nos joueurs se sont améliorés, on va essayer de garder De Vos, ce qui sera pas facile. Hein. De Vos, je pense que ça va être très compliqué de le garder. Hein. Il faut à tout prix le garder. Et Granger dans les cages, il faut à tout prix le garder. Par contre, l'année prochaine, je vous le dis, noir sur blanc, écrit comme vous voulez, je joue le titre de Ligue 2, hein. C'est sûr et certain. Et finalement, on aurait eu de la chance jusqu'à la finale. Hein. Le premier gros, gros, gros qu'on a tapé, c'est pendant la finale. Garcia, il est beau comme un sou tout neuf. C'est merveilleux. Bah, tu peux sourire un peu, oh, ça fait plaisir. Tout le monde a été impressionné par la confiance affichée par vos joueurs. Vous attendiez à une victoire aussi large en finale face à l'Olympique Lyonnais. C'est un grand pas pour le Nano FC. Ça régale. On aime tous notre équipe. J'espère que dans les moments difficiles, on saura s'inspirer de moments comme ça pour aller de l'avant. Là, je pense qu'il fait référence un petit peu au
à la finale de barrage de Ligue 2 perdu. Bon, vous avez supplié le match avant la mi-temps. On a fait 45 minutes extraordinaires. On mérite ce résultat. Je le crois sincèrement, les amis. On le mérite, ce résultat. C'est qui les relégués de Ligue 1? On va regarder ça, Axel. On va regarder ça. Ligue 2 plus Europa League. Ça va faire peur aux équipes de Ligue 1 pour l'année d'après. Ah, mais c'est... Ah, 4 questions. Comment avez-vous trouvé Wade aujourd'hui? Bah, c'est le jeune du crack du centre de formation, quoi. Je veux dire, il prend ce qu'on lui donne et il a été plutôt bon. Lui aussi, il faut qu'il progresse pour l'année prochaine en Ligue 2. Voyons. Bon, ça, c'est le classement final de Ligue 2. On l'avait déjà vu. Allez, boule quand même, hein. Fait chier. Après, il y a pas de scandale, tu vois. On finit avec 70 points. Dijon nous tape. Ils finissent avec 3 points de plus que nous. Donc, quelque part, c'est pas comme si t'avais perdu contre le gars qui avait fait moins bien que toi en championnat. On a tapé Nîmes, la logique est respectée. Et Dijon nous a tapé, la logique est respectée. A voir si Dijon a réussi à sortir Clermont. Auxerre, Amiens, ils ont été imprenables. La cadence qu'ils ont lancée toute l'année, ça a été, c'était trop fort pour nous. C'était trop fort. 77, 78 points. Amiens, Auxerre, c'était trop fort. Auxerre, ils nous avaient lavé aller-retour. Et Amiens, je crois qu'on les avait lavé à l'aller, mais pas au retour. Je crois. Coach, je sais qu'on parle beaucoup. Tais-toi. Moi, je ne suis pas blessé. Mais qu'est-ce que tu parles, toi, Loïc Rocher? Mais va là-bas. Prends une glace, là. Prends un McFlurry et va là-bas. Ça, c'est quoi ça? Nous sommes en retard sur les objectifs. T'imagines, je me fais virer, là, par contre. C'est terrible, hein. C'est terrible. Là, si je me fais virer, je sais pas si vous vous rendez compte. Ce serait... On prend 2 millions pour la Coupe Nationale. Qu'est-ce que vous vouliez voir? Vous voulez voir le vainqueur des barrages, c'est ça? Barrage de Ligue 1. Ah, c'est Dijon. Tu vois, ça, c'était aller-retour. Là, j'aurais eu mes chances. Eh bien, tu vois, on est sorti contre celui qui remonte en Ligue 1. Dijon a sorti Clermont. Et donc, du coup, Clermont, l'année prochaine, sera en Ligue 2. Ok. Ah ouais, putain. On a mis 3-0 à Nîmes. On prend 2-0 par Dijon. Et c'est Dijon qui va au bout. C'est Dijon. Après, là, ce qu'on a payé, là, c'est la fatigue. La fatigue du match de Nîmes. Elle nous a fait trop mal. Au cumul des deux matchs, 2-1 pour Dijon. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller à Clermont. Ils gagnent, enfin, ils font 1-1 chez eux. Au retour. À Dijon. Dijon en Ligue 1. Mais je crois qu'on a tout fait, les amis. On va s'avancer tout doucement. Et c'est parfait, 23h39. C'est extraordinaire. Je veux juste pas me faire virer. Je touche du bois, je croise les doigts. Si je me fais virer, c'est la fin des haricots. Hein. C'est le brocoli trop cuit. Classement des buteurs, j'ai pas regardé. Moi, je pense que j'ai Mara à 12, un truc comme ça. 11-12. On a Mara qui est à 13. Et Valentin qui est à 11. Mais Valentin tirait les pénaltys chez nous. On a les doubles... Oh là, on a fait de la passe aussi. Hein. On a le meilleur passeur de la Ligue 2. C'est De Vos, puis Varga. Et puis le quatrième aussi qui est Mara. Si je me fais virer, je suis au fond du seau. J'espère pas. Hein. Ce serait terrible, hein. Est-ce que je ferais pas monter un petit jeune, tu vois, du centre de formation? Ça me donne quelques points, ça, à chaque fois que je le fais. On va essayer de se sauver le fessier, quoi. Je vais faire monter Alain Siaka. Des fois, ça donne des points quand tu fais ça. Et Carrizo aussi, on va le monter, même s'il est un peu rincé. Je sais pas. Je sais pas si ça va fonctionner, cette histoire. Les contrats à expiration, est-ce que c'est des joueurs qui étaient intéressants ou pas? Après, il y a trop de gardiens ici, là. Ça, faut... Ah putain, le problème, c'est que ça va dégager, mais ça m'aura rien rapporté. Hein. Lui, il s'en va, mais... Granger, il a été extraordinaire. Hein. Extraordinaire, il a pris plus 3 cette saison, 76 de général. Il a été... Lui, je pense que je vais le renouveler, par contre. Loïc Rocher, même s'il m'a cassé la tête, là, tout à l'heure. 68 de gêne, en doublure. Ah, surtout que Perrin, il veut se barrer. Je vais le prolonger, lui. Je vais le prolonger, Maurice. Je fais juste un peu de gestion, les amis. Je suis à vous. Parfait. Parfait, parfait. Le problème, c'est qu'on a que 30 joueurs. Hein. C'est pas non plus... Raphaël Lima, il peut partir, je l'amène même s'il faut. Je viens le chercher et je le dépose. Je vendrai Tenerife en fin de contrat, je m'en fous. 66 de général.
Diliberto toujours là. Parfait. Sekoumara a pris plus. Sekoumara, la saison prochaine, accrochez-vous. Hein. Il a pris plus 6. Attention, quand il va passer à 75 de général, ça va tabasser fort fort. Hein. Check sale, 17 ans. Je vais le prolonger lui aussi. Même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, je vais le prolonger. Même s'il n'est pas ouf, il a pris plus 4. Sachant que Marqué, 32 ans. Il va falloir recruter des joueurs gratuits aussi. De Vos, il a pris plus 3 le Belge, 78 de gêne. Ça a bien progressé, je suis confiant pour la saison prochaine. Je vais me faire secouer en Europa League, c'est sûr. Granger fait quelle taille? On va regarder ça de suite. Mais Granger. Il fait 1m90. 1m90. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en réflexe, il a 84. Il est pas très bon en plongeon, il est pas très bon en jeu à la main, mais 84 de réflexe, ça fait tellement la diff, surtout quand tu joues avec des gardiens en semi. Ah, c'est... Jeu au pied, tu vois, il est rincé. 67, c'est, il envoie des chandelles, lui, c'est tout. Ça s'arrête là. Les amis, est-ce qu'on va pas s'arrêter là? Parce qu'en fait, ce que je voudrais pas... La prochaine fois qu'on sera en live, donc ça sera certainement la semaine prochaine, puisque demain soir, c'est impossible. C'est le Love Day à la maison, donc c'est impossible. Dimanche soir, il y a le match. Et la vérité, le match, je vais même pas le regarder. Or, je vais essayer, je pense. Peut-être que je tournerai après le match, l'épisode de lundi de Hoffenheim. Mais oui, c'est ce que je vais faire, d'ailleurs, je pense. Donc, dimanche soir, il n'y aura pas de live. Lundi soir, si vous êtes chaud. Lundi soir. Nao, tu peux me dire comment changer. Ah, mais je sais pas, cher ami. C'est la première saison que je finis. Et bien, ouais, 1m90-84 de général, hurle le ciel. C'est très solide, hein, c'est très fort. Écoutez, les amis, ce que je vous propose, et vous me dites ce que vous en pensez. Je vais baisser juste un peu ça. Je vous reprends ici, les amis. Je vous rebascule ici. Et je vous lis tranquillement. Il est 23h44. La saison, elle a été... Mais c'est ça que j'aime, tu vois. C'est pour ça que j'aime la carrière manager. C'est pour ça que j'aime être avec vous sur Twitch, sur YouTube, etc. C'est pour ça que j'aime ça. Là où tout le monde en tout cas, en grande partie, on se dit toujours, bah tiens, l'utilisateur, ouais, il est en Ligue 2, c'est sûr qu'il va monter. Eh ben non, les amis, je suis pas monté en Ligue 1, je reste en Ligue 2. Et la magie, le petit truc qui a saupoudré de plaisir, c'est ça, c'est qu'on a gagné la Coupe de France. La magie de la Coupe de France, le petit poussé. On a gagné la Coupe de France et on se retrouve en Europa League la saison prochaine. Donc lundi soir, peut-être, si on live, et si vous êtes chaud... Il y aura peut-être un changement de maillot, histoire de changer un petit peu, ce qui peut être intéressant. Encore une année en Ligue 2 avec une équipe un petit peu plus aguerrie, évidemment. Et du coup, on ne sait pas si on est tâche de l'équipe. Je ne sais pas du tout. Alors voyons, ce qu'on peut faire, tiens, regarde. Ce qu'on peut faire, je vais essayer d'avancer. Déjà, je vais sauvegarder le Nano FC. Sauvegarder. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Alors, vous l'avez là en bas de votre écran. Vous me voyez en double, mais c'est pas très grave. Ça reste lisible. Je vais essayer d'avancer, au moins voir si on n'est pas licencié. Parce que si on est licencié, je suis au fond du seau. Non, j'ai fait un trophée d'ailleurs. Disputer une saison avec un club nouvellement créé. Parfait. A priori, on n'est pas viré, les amis. A priori, on n'est pas viré. Ce qui est plutôt une bonne chose. Bilan de la saison. Nous attendions plus d'engagement et les meilleurs résultats de votre part. Ceci dit, nous estimons que vous méritez une autre chance. Thanks, président. Ça régale. Alors, voyons comment ça se passe juste pour les... Alors, je suis désolé, vous l'avez en petit. Hein. Vous l'avez là. Je guette juste. Je vais peut-être pas sauvegarder. Hein. Je guette juste s'il y a le changement des maillots et tout à faire. Peut-être qu'on se le fera tranquillement lundi soir. Mais cette équipe-là, de manière un peu plus aguerrie, avec la déception de la saison qui vient de se finir en Ligue 2, plus l'Europa League, ça va être... Alors, je vous dis la vérité, hein, je pense que les phases de poule, ça va être très compliqué. Mais en Europa League, des fois, il y a des petites saucisses aussi. Hein. Donc attention, hein, attention Nano FC. Hein. Contre les gros, c'est plutôt une équipe qui a du mordant contre les gros. La pré-saison, vous la voulez contre qui? Celle qui donne le plus de fric, même si on va pas au bout. Brentford, Genk, Almeria, Eibar, Standard, AZ. Là, il y a Lens, Trabzonspor, Young Boys de Berne. Bâle,
D'ailleurs, demain matin, je vous parle de Bâle, de Mohamed Salah, dans l'anecdote. Et là, il y a Galatasaray, Montpellier, Stuttgart, Majorque. Tu vas me dire, celui du milieu, non, parce qu'il y a vraiment 1 million de différences. Tu sais quoi, je vais prendre le plus cher, le plus dur, puisque c'est que des équipes que j'affronterai jamais, probablement. Donc, on va prendre celui-là. Bon, on n'est pas viré, ça c'est à modifier club, tu vois, je l'ai là. Je peux modifier le club là si je veux. Écoute, je sauvegarde. Je vous remontre juste 30 secondes, les amis. Hop. Je vous montre. Voilà, c'est comme ça, modifier club. On se le fera la prochaine fois. Ou sinon, je le ferai. Sinon, je le ferai. Et pour le coup, je vous montrerai, pour pas vous embêter avec tout ça, les changements de maillot, etc. etc. je le ferai peut-être avant de lancer le live. C'est ok les amis, c'est ok, en tout cas pour moi c'est ok. J'espère que vous avez passé une bonne soirée les amis. La moula, les pétos, la grosse moula. Donc on aura la pré-saison au prochain live. Le changement peut-être de logo, peut-être de maillot, etc. Le logo, je sais pas, on verra. Et puis voilà, on aura l'Europa League à jouer. Le tirage est fait ou pas du tout? Là j'ai la super coupe contre le PSG, c'est extraordinaire ça aussi. Non, ça n'a pas été fait. Le tirage de l'Europa League n'a pas été fait. Donc voilà les amis, hein. C'est quand le prochain live? Écoute, Philippe, peut-être lundi soir, si ça vous va, je mettrai un tweet et une story sur Insta. Si ça vous chauffe, ça me chauffe. On se met dans la peau des recruteurs du Nano FC et lundi on te donne des idées pour le mercato. Magnifique, Pumba, je valide à 100%. Le budget est de, si ça peut t'aider. Le budget est de 9 millions, putain, on n'a jamais été aussi riche, ça régale. Recruter 2 joueurs d'Asie, mais c'est quoi? Bon, on arrête là parce que je peux continuer jusqu'à 3h du mat, moi. On a 9 millions d'euros, faut qu'on check les joueurs sans contrat. C'est comme ça qu'on avait fait que. On avait recruté Diliberto et Mara. On avait cramé tout notre budget pour ces 2 joueurs-là, qui étaient le jeune crack de Valenciennes en Ligue 2 et Mara, qui était remplaçant réserviste à Bordeaux. Et on avait recruté Varga, qui était gratuit, et Fiola, qui avait pas de club. Voilà. Les amis, je vous embrasse très très fort. Merci pour ce soir. Incroyable. On a gagné la Coupe de France. Incroyable. Et par contre, bon, on n'a pas su monter en Ligue 1. Mais c'est pas grave. Pourquoi tu continues pas? Parce que je m'arrête là demain matin, j'ai match avec les petits. Juste Nano. Ouais, dis-moi, hurle le ciel, dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Plein de bonnes ondes positives pour tes minots demain matin. Merci pour eux, Mondiche, c'est adorable. On leur envoie toute la force possible pour que demain ils soient en bonne forme. J'espère surtout qu'ils sont au lit là. J'en ai 2-3 sur la play, je vais regarder s'ils sont déconnectés depuis longtemps. Il va falloir du monde avec le calendrier chargé. Ouais, de ouf, Amo. Il va falloir du monde, ouais. C'est qui les clubs qui sont descendus? Bah, du coup, les clubs qui sont descendus. C'est une excellente question, ça aère le ciel. Les clubs qui sont descendus, cher ami. C'est Brest. Brest, Brest. Et Lorient. Non, attends. Oui, Brest et Lorient. C'est ça. Brest et Lorient. Non, Brest et Clermont, pardon. Et Lorient aussi. On a eu 3 descentes. Puisque du coup, c'est Dijon qui a gagné le barrage. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Lorient, Brest et Clermont. Clermont aussi qui a perdu le barrage. Et ouais, on a 3 clubs de Ligue 1 qui est descendu. Merci Benito, bon match pour les petits demain. C'est adorable, merci pour eux. Les amis, je vous embrasse très très fort. Merci pour ce soir. Encore une fois, j'ai passé une excellente soirée avec vous. Vous régalez. Je vous aime très fort. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous dis à demain 10h pour l'épisode 3 de la carrière manager avec Liverpool. Je vous embrasse très très fort les amis. Et je vous dis à demain 10h. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Passez un bon week-end. À demain. Au revoir, les amis. Bisous, bisous, bisous.